Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 5 octobre 2012. Vous écoutez African Time sur WPAT 930 AM. Il est 21h à New York et 1h en temps universel. Vous suivez la principale édition de l'actualité africaine en français, Aïssata Ba au micro, Dambabou à la technique. Au sommaire, le président du Bénin se sépare de Julien Pierrat Poki, directeur général de l'Office de radiodiffusion et de la télévision du Bénin. Ce dernier avait débranché les câbles de la chaîne Canal 3 Bénin, mais c'est Boni Yayi qui en paie les frais. Salomon Dessou nous donnera les détails. Toujours au Bénin, une femme se fait braquer dans la rue par 4 hommes. Elle transportait 400 millions de francs CFA sur elle. Les assaillants se font interpeller par la police nationale. Résultat, 4 morts. En Guinée, la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance était un peu triste. Notre correspondant en Guinée, Mamadou Baldé, nous donnera les raisons de ce manque de festivités. Toujours en Guinée, Mamadou Baldé poursuivra avec les élections législatives. Le président Alpha Condé aurait-il fixé une date ? Côte d'Ivoire, Étienne Tano nous parle du procès des 5 militaires accusés de l'assassinat du colonel Adama Dosso durant la crise post-électorale 2010-2011. 2 des militaires avouent leur culpabilité. Toujours en Côte d'Ivoire, une des zones sensibles est libérée. Une délégation d'officiers s'est entretenue avec le chef de cette zone. Au Sénégal, Malick Noël Seck continue à faire parler de lui. Le bureau politique l'a exclu lors de la réunion du 3 octobre. Toujours au Sénégal, la rentrée des classes se fait avec beaucoup de difficultés. Beaucoup d'écoles ont été victimes des inondations. Ignace Ndeye y reviendra. Et toujours en politique, Dambabou tend son micro à Alioune Badra Cissé, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur African Time, merci de votre fidélité, vous écoutez votre émission sur internet à yolele.com et à la radio sur WPAT 930 AM. Cette émission est sponsorisée par la compagnie Royal Air Maroc. Au Bénin, limogeage d'un fidèle militant, le directeur général de l'ORTB, Julien-Pierre Akpoki, qui était en crise avec la chaîne Canal 3 Bénin, décide de débrancher les câbles de diffusion de cette dernière. Le chef de l'État, Boni Yayi, paie les pots cassés. On l'accuse de faire barrage à la liberté d'expression. Julien-Pierre a donc été remercié par le Conseil des ministres sur plusieurs chefs d'accusation, incluant négligence, manquement à ses devoirs et obligations, pratiques frauduleuses. Salomon Dessou. Boni Yayi limoge Julien-Pierre Akpoki, directeur général de Radio Diffusion et Télévision du Bénin, ORTB. Militant zélé et fidèle du régime, son limogeage est intervenu hier au Conseil des ministres. Il est reproché pour désormais être patron de la radio-télévision nationale, de négligence et légèreté dans la gestion de l'office public, manquement grave à ses devoirs et obligations de garant de patrimoine national, complicité, pratique frauduleuse de faux et usage de faux, la mise à disposition des biens publics à quelques privilégiés au détriment du contribuable béninois. Le départ de Julien Pierre Akpoki est un corollaire du différend qui oppose l'ORTB à la chaîne de télévision privée Canal 3. L'SDG aurait signé un contrat frauduleux avec Bell Bénin, un opérateur GSM, et Canal 3, une chaîne de télévision privée appartenant à la même personne. Depuis quelques années donc, le groupe Bell Bénin Communication a installé ses équipements sur le site de l'ORTB. Il y a quelques jours, le directeur général de l'organe public est allé débrancher les câbles de la télévision privée, mettant en tension Canal 3 pour non-paiement de ses dus. Aussitôt, Boni Yayi est accusé par les journalistes de cette chaîne privée et autres opposants politiques et membres de la société civile d'empêcher la liberté de presse au Bénin. Le président de la République a diligenté une enquête dans le rapport remis entre le limogeage du directeur général de cette chaîne publique. Cette décision courageuse, appréciée par tous, témoigne de la bonne foi du président béninois à réduire la corruption et la mauvaise gestion au Bénin.
Et puis la police nationale a fait encore parler d'elle cette semaine. Sept malfrats de grand chemin ont été abattus par les éléments du commissariat central de Cotonou ce mardi sur l'axe Paouida, voire était état Cotonou-Lomé. C'est en la loi, on braquait une femme d'affaires qui avait sur elle 400 millions de francs CFA. Les malfrats, cinq à bord d'un véhicule lourdement armé, se font aider par deux autres à motocyclette. Interpellés par les forces de l'ordre, aussitôt les malfrats ont ouvert le feu. La réplique a été sanglante et horrible. Cinq d'entre eux ont été abattus sur le champ et les deux autres grièvement blessés ont rendu l'âme à l'hôpital. Il faut rappeler que dans la même journée, un autre braquage a été effectué avec succès à Cotonouville, mais ils n'ont emporté que 100 000 francs CFA. Et puis enfin, les marabouts et charlatans complices des malfrats auront désormais affaire à la justice. C'est la police nationale qui a livré l'information. Les marabouts et autres charlatans des malfrats qui sollicitent le soutien des forces occultes afin de mener à bien leur sale besogne seront arrêtés pour association de malfaiteurs puis mis à la disposition de la justice. En effet, cette décision prise par les autorités est motivée par un constat récurrent. La plupart des malfrats tués ou pris en flagrant délit par les forces de l'ordre mettent des amulettes, bracelets, colliers et autres objets de protection occulte. Ces différents signes extérieurs de puissance constituent une motivation pour ces hors-la-loi. La nouvelle décision de la police béninoise est également une autre voie pour décourager tout ce qui contribue à la recrudescence de ce phénomène nuisible à la société béninoise. Stop et fin pour l'actualité de cette semaine au Bénin. Salomon Dessou, Cotonou pour African Time. American Language Center, le spécialiste de l'enseignement de la langue anglaise à New York, vous invite à visiter ses nouveaux locaux beaucoup plus spacieux et plus commodes pour votre apprentissage de la langue en Amérique. Il se situe au 229 West, 36e rue, au 3e étage, entre la 7e et la 8e avenue, à deux rues de Penn Station. Après 35 ans d'expérience et un corps d'enseignants hautement qualifiés, American Language Center propose des cours pour les débutants et pour tous ceux qui veulent approfondir leur connaissance de la langue. Les frais de scolarité d'American Language Center sont très compétitifs et son enseignement est le meilleur dans le pays. Pour les habitants de Queens, la branche locale est au Jackson Heights, 7501 Broadway. Pour tout renseignement, appelez 1-800-English, 1-800-364-5474, 1-800-364-5474. Demandez après André. Vous aimez les belles chaussures? Alors écoutez bien. Gora Sneakers au 40 West, 31e rue, entre la 5e et Broadway est l'endroit idéal. Chez Gora Sneakers, il n'y a pas de contrefaçon. Tout est original. Vous y trouverez Timberland, Nike, Reebok, Sebago, Adidas et j'en passe les meilleurs. Désormais, vous trouverez chez Gora Sneakers des casquettes et des jeans des plus grandes marques. Alors, ne faites plus attendre vos pieds. Offrez-leur des chaussures de qualité. Gora Sneakers, c'est au 40 West, 31e rue, entre la 5e et Broadway, en face du poste office. Téléphone 212-695-64-92. 212-695-64-92. L'indépendance de la Guinée fête ses 54 ans sous une atmosphère pas très chaleureuse. Dans le pays, l'organisation des festivités est plus que minimale. Le lieu n'était apparemment pas très bien choisi. La déception se lisait sur les visages des Guinéens venus faire la fête. Et à l'extérieur du pays, la fête n'était simplement pas au rendez-vous. Mis à part à Washington DC et le New Jersey. Mamadou Baldé au micro de Dame Babou. Voilà, alors comme vous l'avez dit, 54e anniversaire de l'indépendance. Vous savez que la Guinée a été indépendante d'âme depuis le 2 octobre 1958, peut-être un an et quelques mois avant, bien sûr, le Sénégal et bien même les régions d'à côté. Mais sachez que de l'indépendance à nos jours, la Guinée a connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Un déficit de démocratie
un déficit de dialogue interne, un déficit de démocratie, de développement. Donc la Guinée a rencontré assez de difficultés. Alors comment l'affaire s'est passée? Le président Alpha Condé a pris un exemple sur la Côte d'Ivoire et sur le Burkina Faso pour chaque année célébrer la fête de l'indépendance dans une région donnée. Alors cette année, c'était à Bokké. Je crois que cela n'a pas totalement réussi au président Alpha Condé et à son gouvernement, parce que du côté de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, lorsqu'on doit aller célébrer quelque part, il y a des investissements qu'il faut faire. Il y a des routes qu'il faut faire. Il y a des hôtels qu'il faut faire. Il y a des grands investissements, des écoles. Là, ce qui permet à cette région donc de bénéficier réellement de l'investissement de l'État. Alors Bokké, cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Il semblerait que l'organisation n'a pas été ça, l'organisation n'a pas été à la hauteur des attentes. Et ensuite, il n'y a pas eu d'infrastructure. Il y a eu quelques routes qui ont été travaillées par le génie militaire et quelques sociétés. Bon, il n'y a pas eu d'investissement au niveau en tout cas, il n'y a pas eu, même les bâtiments publics, semblerait que c'est des coups de peinture que les bâtiments publics ont eu. Donc la ville n'a pas réellement fait sa toilette. Côté guinéen, donc, on dit que l'organisation n'était pas ça, parce qu'il y avait des ministres qui n'avaient même pas de place, il y avait des préfets qui ne savaient pas où s'asseoir, il y avait des diplomates qui étaient arrêtés. Pratiquement, c'est comme si ça n'a pas été bien organisé. Ça, c'est du côté de Conakry. Maintenant, à l'extérieur du pays, sachez que, dame, à l'extérieur, l'opposition est plus nombreuse à l'extérieur. Donc, il n'y a pas eu tellement de fêtes grandioses, mais nous avons appris qu'au niveau de Washington DC, bon, la fête sera célébrée dans les jours à venir. Je crois qu'au niveau de New York, il n'y a pas de fête. Et pratiquement, il n'y a pas de fête où se trouve une forte concentration de Guinéens d'ailleurs. Mais du côté de New Jersey, on apprend que demain, eh bien, l'ambassadeur qui est à New York donc, et le consulat, le consul, donc s'y rendront pour célébrer cette fête. Mais vous comprendrez la morosité dans laquelle les Guinéens sont en train de fêter leur 54e anniversaire. Voilà, dame, ce que je pourrais vous dire. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la Guinée encore, le château de l'Afrique occidentale française, comme on le disait, la perle de l'Afrique occidentale qui était Conakry à l'époque, allez-y, il y a un manque absolu, un manque criard d'eau, d'électricité, d'infrastructures routières, tout presque manque en Guinée aujourd'hui. Mais malgré cette morosité, le président Alpha Condé s'est quand même adressé à la nation. Il a parlé des législatives qui préoccupent les Guinéens. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce discours-là? Est-ce qu'une date a été retenue pour ces législatives? Il a fait un discours à la nation. Vous savez, le président s'est adressé à la communauté guinéenne pour demander le dialogue. Il a surtout parlé du PPTE, l'initiative PPTE qu'il a réussi donc à... qui a réussi à réduire la dette de la Guinée avec plus de 2 milliards de francs guinéens, de dollars américains. Et ensuite, il a parlé de législatives. Il a dit, avec une flèche d'ailleurs, que les législatives auront lieu cette année et que ceux qui voudront aller iront. Ceux qui ne veulent pas aller n'iront pas. Mais le président, dans son adresse, n'a pas encore donné de date précise. Mais il faut vous rappeler également, Dambabou, la question éternelle de la Guinée. La CENI, vous savez, à un moment donné, le président de la CENI de la Guinée est décédé. Ensuite, le président qui est venu n'a pas fait le consensus. Il aura fallu aller chercher à l'étranger avec la communauté internationale pour trouver le Malien, le général Sangaré, qui est venu organiser les élections. Aujourd'hui, le général Sangaré, sa mission est terminée, il est rentré. Selon le CNT demande à ce que, qu'on ait une CENI, 10 de l'opposition, 10 de la mouvance présidentielle, 3 de la société civile et 2 de l'administration du territoire. Malheureusement, au niveau des 10 de l'opposition, il y a ce qu'on appelle l'opposition centriste en Guinée et qui réclame aussi un poste. Or, l'opposition radicale dit que les 10 postes obligatoirement lui reviennent de droit. Voilà le problème qu'on a aujourd'hui. Donc, même pour désigner les membres de la CENI, c'est notre blocus, c'est notre problème qu'on a, dame. Malgré cette tension que vous venez de décrire, on se met d'accord au moins sur un sujet, c'est le football. Le Sili National prépare son match retour contre le Niger. Voilà, vous avez bien introduit. Et c'est aujourd'hui ce qui fait l'unanimité en Guinée. Il y a 3 choses, dame. C'est l'hymne national, c'est le drapeau et l'équipe nationale de football. Quand les 3 là se présentent, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de mouvement. Ce sont les 3 qui restent les véritables symboles de la nation guinéenne aujourd'hui. Le Sili se prépare activement.
Des joueurs ont été appelés, beaucoup de joueurs professionnels d'ailleurs sont appelés parce que le match du Niger semble être très difficile d'âme. Il faut vous rappeler qu'à Conakry, le Sénégal n'a réussi qu'un seul but contre le Niger, une équipe du Niger intraitable. Je me demande bien comment le Sili va pouvoir négocier ce match. Je crois que dans une semaine, ça sera à Niamey. Mais pour le moment, des joueurs sont rappelés. Il faut rappeler que deux joueurs manquent à l'appel. Il y a Gambobo qui est le défenseur central, le libéraux libéré de la Sili nationale, qui semble être blessé. Il y a Pascal Senduno, le meneur de l'équipe nationale de Guinée depuis des années, qui ne vient pas également. Donc deux joueurs clés qui n'ont pas été appelés, certainement pour d'autres raisons. Mais d'autres quand même, comme Thierry Constant et ses coéquipiers, sont déjà à Conakry. Les préparatifs ont commencé et passeront probablement par Burkina Faso, où la température à Ouaga est à peu près la même à Niamey. Donc après Ouaga, ça sera directement à Niamey pour le match contre le MENA du Niger. Mamadou Baldé, merci. Merci dame et surtout salut aux fidèles auditeurs de notre radio, notre grande radio, la radio panafricaine African Time. Merci. Tout le monde sait que ce que nous mangeons détermine la qualité de notre vie. Si vous voulez manger sain et avec un bon goût dans un cadre agréable, allez au Jacob Restaurant Soul Food et Salad Bar. Jacob Restaurant est le leader dans le domaine du soul food à New York. Les plats de ce restaurant style buffet sont variés, poisson grillé, mishu de côtelette, queue de bœuf, poulet braisé, salade de crevettes, salade de langouste, macaroni and cheese, fried chicken, cabbage, côtelette de bœuf, collard green, etc. Jacob Restaurant, ce sont deux restaurants très agréables et très accueillants. L'un se trouve au 373 Lennox Avenue à l'angle de la 129e rue à Harlem. Téléphone 212-866-FOOD, 212-866-3663. Tandis que l'autre est situé 2695 8e Avenue à l'angle de la 145e rue, toujours à Harlem. Téléphone 212-283-FOOD, 283-3663. Avec Jacob Restaurant, mangez sain et mangez à votre goût à des prix imbattables. Chauffeur de taxi ou simple propriétaire de voiture, ce message est pour vous. Mohamed et toute l'équipe de mécaniciens que vous connaissez au garage de la 111e rue et la 3e avenue à Harlem vous donne rendez-vous au garage City White Car Repair qui se trouve au 250 East 137e rue entre Third Avenue et Ryder. Pour tous vos travaux de mécanique automobile, une seule adresse City White Car Repair. Alignement, transmission, électricité et tout le reste, visitez City White Car Repair au 250 East 137e rue entre 3e et Ryder dans le Bronx. Téléphone 718-401-2959. Les principales cartes de crédit et de débit y sont acceptées. En Côte d'Ivoire, ils sont 5 militaires à comparaître pour enlèvement, séquestration, assassinat et complicité de séquestration et d'assassinat sur la personne de Adama Dosso. Ce défunt était un colonel-major à la retraite et un proche du président Alassane Ouattara. Les accusés sont les généraux Dogbobley Bruno, le commandant Kipré Yagba, les sergents Twali Jean-Noël, Lagoléo et Tau Fernand. Deux d'entre eux ont avoué avoir tué Adama Dosso. Étienne Tano nous en dit plus. Deux détenteurs dans l'affaire générale Dogbobley et autres ont comparu devant la cour d'appel d'Abidjan hier jeudi 4 octobre 2012. Les sergents Tau Ferdinand et le colonel Kipré ont en effet donné leur version des faits dans l'assassinat du colonel-major Adama Dosso au plus fort de la crise de post-électorale. Si Tau Ferdinand n'a pas nié avoir été complice du meurtre de l'officier supérieur à la retraite, le colonel Kipré, lui, a rejeté toutes les accusations portées contre lui. Le général Dogbobley, quant à lui, comparaîtra le lundi prochain. Libération du Montéco. Une délégation d'officiers des forces républicaines de Côte d'Ivoire a rencontré Amadé Ourémi, l'homme fort de cette zone. Conduite par le commandant adjoint des forces terrestres, le colonel-major Soumaoro Gaoussou, cette délégation a rencontré le mercredi 3 octobre 2012 à Bangou, à environ 25 km de Dokwe, partie ouest du pays. En effet, il a été question du départ d'Amadé Ourémi et ses hommes de la réserve du Mont Apeku, patrimoine de l'État, et ce grâce à un arrangement à l'amiable selon un calendrier établi en concertation avec les autorités militaires.
Ainsi, ces émissaires ont promis de rendre compte à leur hiérarchie. Match Sénégal Côte d'Ivoire, du 13 octobre 2012, le commando de Lamouchi part pour Dakar. Le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire a publié le jeudi 4 octobre 2012 la liste des 23 joueurs retenus pour les stages de préparation du match Sénégal-Côte d'Ivoire comptant pour la manche retour du dernier calendrier des éliminatoires de la CAN Afrique du Sud 2013. Lamouchi a reconduit la majorité des joueurs présents lors du match aller sanctionné par un score de 4-2 à Abidjan en faveur de la Côte d'Ivoire. La surprise dans ce groupe, c'est la présence du jeune gardien de but Saïboua, Mandé, 19 ans, qui effectue sa première convocation en sélection. Les joueurs convoqués sont attendus à Abidjan ce jeudi 8 octobre 2012 et la sélection ivoirienne débarquera à Dakar le 11 octobre prochain. Et Kempano, Abidjan pour African Times. Au Sénégal, le secrétaire général de la Convergence socialiste, Malik Noël Seck, a été exclu par le bureau politique pour manque de discipline et violation du règlement intérieur du parti. Notre correspondant nous explique aussi qu'une demande d'exclusion du Parti démocratique a été faite à l'encontre de Souleymane Déné Ndiaye. Ignace Ndeye. Au Parti socialiste, le sort de Malik Noël Seck, leader du mouvement Convergence socialiste, a été scellé cette semaine. Le jeune socialiste a été tout bonnement exclu du Parti socialiste pour indiscipline. En réunion cette semaine, les socialistes ont ainsi décidé de renvoyer de leur rang ce jeune socialiste devenu trop encombrant et trop problématique selon certains. Comme un lépreux, on me chasse, on m'ostracise, on me vitupère dans un parti où la protestation est devenue synonyme de maladie mentale, dit Malik Noël Seck, qui dans un communiqué rendu public ne s'est pas opposé à son exclusion du Parti socialiste. Pour lui, la date du 3 octobre, qui marque d'ailleurs son exclusion officielle du Parti socialiste, est célébrée comme une renaissance. Autre formation politique, autre bruit de vote, c'est au Parti démocratique sénégalais. L'ex-premier ministre Souleymane Déné Ndiaye, qui fait l'objet d'attaques au sein de son parti, est sorti de ses gangs pour lancer la déclaration suivante. Personne ne peut m'exclure du Parti démocratique sénégalais. Depuis qu'il a minimisé le prix du leadership africain décerné à l'ex-président Maître Abdoulaye Wade, l'ex-premier ministre a cessé d'essuyer des attaques de partout au sein de son parti. Pour Souleymane Déné Ndiaye, il déclare « Je reste un homme libre ». Il s'explique d'ailleurs difficilement la sortie des jeunes de l'UGTL qui lui impute également la débâcle du Parti démocratique sénégalais lors de la présidentielle 2012. Il estime, lui Souleymane Déné Ndiaye, que c'est de la pire calomnie avant de poursuivre dans les colonnes du journal L'Observateur. « Moi, j'ai gagné chez moi. Si chacun avait gagné dans sa base, on n'aurait pas perdu le pouvoir en 2012 », dit Souleymane Déné Ndiaye. Au comité directeur du Parti démocratique sénégalais cette semaine, Farba Senghor, le responsable de la propagande du PDS, a également essuyé les foudres de ses frères libéraux, qui ne l'ont pas du tout raté. Venu en retard à cette réunion, il voulait coûte que coûte prendre la parole, chose que lui ont refusé ses frères libéraux qui lui ont rappelé à l'ordre avec cette phrase dans le journal L'As que Farba Senghor sache que ses écarts de conduite qui lui étaient pardonnés au temps de son mentor Maître Abdoulaye Wade ne seront désormais plus tolérés. Des responsables qui restent amnésiques à tout courant dans le Parti démocratique sénégalais. Pour Omar Sarr, le coordonnateur du PDS, l'heure est de faire bloc avec les populations, les syndicats et les acteurs de la vie sociale et d'organiser ensemble des marches, des sittings afin de contrer les mesures impopulaires du nouveau régime, a déclaré le coordonnateur du PDS, Omar Sarr. Quelqu'un qui s'est vertement attaqué au nouveau régime cette semaine, c'est Mamadou Diop de Croix, qui a fait un diagnostic sans complaisance des 6 mois du pouvoir du nouveau régime. Le secrétaire général de AJPADS déclare que le drame multiforme de notre peuple s'accentue. Le président Macky Sall, tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, s'apprêtait à se lancer dans un exercice des plus périlleux concernant une augmentation de la taille du gouvernement. De quoi qui estime dans les colonnes du journal Le Quotidien que cette équipe d'Abdoulaye ne répondra pas aux attentes des Sénégalais.
Autre fait saillant de l'actualité cette semaine au Sénégal, c'est également la rentrée des classes qui a brillé par sa morosité dans plusieurs établissements du pays. Les élèves n'ont pas et pas du tout répondu à l'appel pendant ce temps. Certaines écoles frappées par les inondations peinent à retrouver leur visage normal en cette rentrée scolaire. Une rentrée scolaire sur fond de deuxième session du BFM, le brevet de fin d'études, moins qui a démarré ce jeudi. Toujours en éducation, le gouvernement a décidé de suspendre cette année le recrutement de vacataires en attendant de faire le point sur le personnel du système éducatif à travers un audit, a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Ibrahima Sall, dans un entretien avec l'agence de presse sénégalaise. Et pour ceux qui s'expliquent encore difficilement le retour aux affaires d'anciens dignitaires de l'ancien régime, le président de la République, Macky Sall, semble donner une esquisse de réponse à cela. D'après le journal Libération, Macky Sall aurait servi à ses collaborateurs cette déclaration suivante. Vous avez été incapable de m'organiser un conseil interministériel sur les inondations alors que Aminata Niane l'a fait en 4 jours. Des propos qui en disent très long sur le recyclage de l'actuel système d'anciens proches de Maître Abdoulaye Wade. Et puis cette semaine, la polémique a enflé sur les importations de poulets. Des producteurs ici au niveau du Sénégal s'expliquent difficilement cette intention de certains d'ouvrir le marché de poulet aller à une importation, ce qui n'est pas du goût de ces producteurs et autres éleveurs qui disent niet à une telle intention. Pour eux, il faut laisser la priorité aux Sénégalais de vendre le poulet. Car selon eux, il y a beaucoup d'inconvénients sur les poulets importés, surtout des États-Unis. Et puis cette semaine, les bandes armées ont encore fait surface dans le sud du pays avec un braquage perpétré sur l'axe Bindiona-Djouloulou, c'est la région sud de Ziguinchor. En tout cas, des biens, un véhicule 4x4, de l'argent, des portables ont été emportés par ces bandes armées qui ont dépouillé les passagers sur cette axe zone de prédilection et cible souvent des bandes armées dans le sud du pays. Ainsi va l'actualité cette semaine au Sénégal, à Dakar, pour African Time, Ignace Ndeye. Votre compagnie aérienne préférée, Royal Air Maroc, est toujours à l'écoute de vos désirs et demandes. Vous avez réclamé plus de vols par jour en direction de l'Afrique ? Royal Air Maroc répond positivement à cette demande. Royal Air Maroc vous offre le plus grand nombre de départs à destination des capitales africaines. Avec autant de vols partant de l'Amérique du Nord, votre temps de transit à Casablanca est réduit au minimum. Avec Royal Air Maroc, ce sont des tarifs imbattables et le plus grand nombre de destinations vers l'Afrique à partir de New York. Royal Air Maroc, c'est surtout un personnel accueillant qui partage vos valeurs et votre culture, qui connaît vos goûts et désirs. Profitez de votre transit à Casablanca pour goûter aux saveurs du Maroc. Pour plus d'informations et réservations, appelez Royal Air Maroc au 1 800 344 67 26 ou visitez www.royalairmaroc.com. Quelques nouvelles en bref. 3 Kenyans ont été autorisés vendredi à intenter un procès à Londres pour les crimes coloniaux commis il y a plus de 50 ans lors de la répression de la révolte des Mao-Mao, mais le gouvernement britannique qui plaide la prescription des faits a immédiatement fait appel. Les avocats des 3 plaignants, une femme et 2 hommes, ont salué le caractère historique du jugement prononcé par la Haute Cour de Londres. L'appel annoncé dans l'heure par le Foreign Office après un premier recours en 2011 laisse cependant présager de nouveaux délais et fait peser de nouvelles incertitudes sur l'issue judiciaire de cette affaire. Les 3 Kenyans affirment avoir été torturés et soumis à des violences sexuelles alors qu'ils étaient en détention dans un camp britannique. Le juge
Richard Macombe a estimé vendredi qu'un procès équitable restait possible en raison de l'existence de preuves pertinentes. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a fait valoir que le délai légal imparti pour saisir les tribunaux était de 3 à 6 ans. Il a aussi souligné une nouvelle fois que des décideurs clés de l'époque sont morts et incapables de fournir un témoignage. Il estime enfin que dans l'éventualité de poursuites judiciaires, l'affaire devrait être jugée non pas à Londres, mais devant les tribunaux du Kenya, pays qui a accédé à l'indépendance en 1963. Les dirigeants des pays du sud de la Méditerranée se sont attachés à rassurer leurs homologues sur l'état de la démocratie de leur pays et appelé de leurs vœux une plus ample coopération à l'occasion du sommet du dialogue 5+5 vendredi à Malte. Pour la première fois de notre histoire, nous partageons les valeurs de la démocratie, s'est réjoui le président tunisien Moncef Marzouki au cours de la cérémonie d'ouverture de ce sommet 5+5. Espagne, France, Italie, Malte, Portugal, plus Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie. Le premier depuis le printemps arabe de 2011 qui a entraîné la chute des dirigeants tunisiens et libyens. Les changements en cours sur la rive sud de la Méditerranée ne constituent pas une menace pour l'Europe, a déclaré M. Marzouki, en appelant par exemple à ne pas avoir peur des groupes salafistes. Le peuple n'accepterait jamais des systèmes islamique non démocratique. Nous voulons la démocratie islamique, pas l'autocratie, a-t-il insisté. L'Europe est notre destin, a ajouté le président tunisien. Selon lui, les pays européens vont trouver beaucoup d'opportunités dans notre région qui a un besoin criant d'infrastructures. Même écho de la part du président mauritanien. La région a connu des développements politiques qui vont contribuer à la stabiliser, a assuré Mohamed Ould Abdelaziz. Pour lui, le dialogue 5+5 devrait contribuer à affronter des défis comme le terrorisme, le crime transfrontalier, le trafic d'armes qui impose de changer de mentalité. En Afrique du Sud, le numéro du mondial du platine en plat a annoncé vendredi le licenciement de 12 000 de ses 28 000 mineurs en grève sauvage du site de Rustenburg, dans le nord de l'Afrique du Sud, au lendemain de la mort d'un gréviste tué par la police. Ampla avait convoqué cette semaine tous les grévistes en conseil de discipline et menacé de licencier ceux qui refuseraient de comparaître. Environ 12 000 employés ont décidé de ne pas se présenter et ont donc été licenciés en leur absence, a annoncé Ampla, filiale d'Anglo American, dans un communiqué. Un mineur de 21 ans qui refuse de donner son nom a montré à l'AFP un SMS reçu sur son téléphone portable. En conséquence de votre absence à l'audience où vous devriez expliquer votre participation à une action de grève illégale, la société a pris la décision de vous licencier en votre absence. Vous avez 3 jours pour faire appel. L'entreprise, dont tous les puits du bassin de Rustenburg sont bloqués depuis le 12 septembre, avait déjà lancé plusieurs ultimatums à ses employés, les sommant de reprendre le travail sous peine de licenciement. Les ultimatums avaient jusqu'à présent été repoussés à chaque fois. Le président de la République française, François Hollande, a estimé vendredi que la résolution de la France visant à préparer le terrain pour un feu vert ultérieur à l'ONU à une intervention militaire au Mali ne rencontrerait aucun obstacle. Au Conseil de sécurité, la résolution ne rencontrera pas d'obstacle, a déclaré François Hollande, interrogé par la presse en marge d'un sommet à Malte. Il y a des pays qui peuvent être réticents, mais ils ne sont pas ceux qui vont au Conseil de sécurité faire obstacle, puisque nul ne fera obstacle, a-t-il insisté. L'intervention doit être menée, organisée par la CEDEAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, et l'Union africaine, a encore ajouté le chef de l'État. Le texte proposé par la France doit combiner une réponse politique et militaire à la crise malienne en appelant à l'ouverture d'un dialogue entre Bamako et les islamistes qui contrôlent le nord et en prévoyant l'entraînement sur place de l'armée malienne, avait fait savoir l'ambassadeur français à l'ONU, Gérard Haro, fin septembre. Et nous ouvrons à présent la page de l'actualité politique avec notre analyste maison Dambabou qui nous donne ses impressions sur l'issue du débat présidentiel aux États-Unis. Dambabou, les observateurs disent que Mitt Romney a gagné ce débat. Est-ce que vous le confirmez? C'est mon analyse. Je crois que c'est l'analyse même de l'entourage de Barack Obama.
tout le monde s'est demandé, mais où était Barack Obama? Est-ce que c'était lui qui était sur place? Parce que ce qui a surtout étonné les gens, on avait l'impression que le président américain ne voulait pas participer à ce débat-là. Sa manière, ses attitudes et tout montrait que Barack Obama n'était vraiment pas là de gaieté de cœur. D'abord, c'est le premier élément, et surtout en débat télévisé, c'est d'abord ce que les gens voient. Avant de parler de ce que les gens entendent, en plus, ce qui a le plus étonné les auditeurs, c'est que Barack Obama a laissé pratiquement Mitt Romney dérouler son programme, dérouler ses idées, et même parfois ce que les démocrates et beaucoup d'observateurs appellent les mensonges de Mitt Romney qu'il a déroulé, sans que Barack Obama n'ait fait quoi que ce soit pour contrecarrer, ni pour répondre. Barack Obama était venu. Il ne regardait pas son adversaire, il ne regardait même pas les téléspectateurs et il ne répondait presque à aucune des questions soulevées par Mitt Romney. C'est comme s'il était venu avec un discours qu'il a mémorisé, qu'il a débité sans conviction. Donc sur ce plan-là, on peut dire réellement que Mitt Romney a gagné haut la main ce débat. Et ce n'est pas surprenant d'ailleurs qu'après le débat, les sondages ont donné 67% contre 25 à Mitt Romney comme vainqueur de ce débat-là, c'était clair. Mais alors, qu'est-ce que cela signifie pour les débats à venir et surtout pour la suite des élections électorales? Bon, d'abord, il faut revisiter l'histoire. Un président qui est à la Maison-Blanche, qui fait face à un challenger, n'a jamais gagné le premier débat si ce n'est deux fois. Et ces deux présidents ont perdu après. Qui ont gagné le premier débat. C'est le cas de Jimmy Carter contre Ronald Reagan et c'est le cas de Gerald Ford, un débat qui n'a pas été réellement un débat parce que avec 27 minutes d'interruption technique, il n'y avait pas de son, donc ce débat-là, on peut même l'écarter. Donc on peut dire que ce n'est qu'une seule fois qu'un président qui est à la Maison-Blanche a gagné réellement le débat. Donc voilà ce que l'histoire a dit. Les présidents ont perdu des débats et de manière radicale. On se souvient que Ronald Reagan avait perdu, il avait perdu devant Jimmy Carter et il avait perdu aussi devant Walter Mondale. Et on peut citer des cas et des cas. Et pour revenir ensuite, gagner le deuxième et le troisième débat quand il y a trois débats. Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'ils ont décidé d'avoir trois débats entre les candidats à la présidentielle. Donc cela ne veut pas dire que Barack Obama a perdu. Et ce qui est intéressant, les partisans de Barack Obama avaient réellement peur que cette fois-ci, on va voir Mitt Romney revenir à la force et que Barack Obama allait perdre beaucoup de soutien. Il se trouve, bizarrement, que les sondages Gallup qui sont sortis aujourd'hui à 13h, Barack Obama a avancé d'un point et Mitt Romney a perdu d'un point. Et si on a demandé aux Américains si vous aimez Barack Obama, il était à 54%, il est aujourd'hui à 52%, alors qu'on dit que la barre fatidique, c'est les 50%. Donc apparemment, ça n'a pas encore créé des effets négatifs. Et surtout qu'il se trouve que les démocrates ont dû trouver la parade. Au lieu de parler du débat de manière générale, ils ont pris ce que je viens d'appeler les mensonges de Mitt Romney, que Barack Obama n'avait pas soulevé. Cette fois-ci, c'est ce qu'ils ont décelé et en train de montrer aux Américains. Ils ont même déjà monté des publicités pour comparer ce que Mitt Romney disait hier et ce qu'il dit aujourd'hui. Je pense que ce débat-là, ça fait mal, c'est vrai, et ça a relancé Mitt Romney. Ses partisans qui commençaient à lui tourner le dos, surtout les partisans qui avaient beaucoup d'argent et qui lui donnaient de l'argent, qui avaient arrêté à venir avec les chèques. Donc ces gens-là sont revenus aujourd'hui parce qu'avant ce débat, c'était presque l'unanimité, même dans le camp de Mitt Romney, que Barack Obama avait presque gagné les élections. Mais maintenant, ce débat-là a réellement relancé cette compétition. Merci, Dambabou. Nous écoutons maintenant Alioune Badra Cissé, ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Il nous parle du discours de Macky Sall durant l'Assemblée générale des Nations unies. Le président sénégalais ouvre son discours avec un appel au Conseil de sécurité à prendre une décision à propos du conflit malien. Les propos sont ici recueillis par Dambabou. Le président de la République a pensé que la situation au Mali pose un problème de paix internationale. La CEDEAO a essayé,
par une médiation depuis le mois d'avril, a apaisé la situation et a empêché son développement. Force est de reconnaître que malgré ses efforts, il est encore d'énormes pas qui restent à franchir. Pendant ce temps, le terrorisme prend encore davantage d'espace. Il est pratiquement aux portes de Gao. Et pendant ce temps, à Bamako, l'intervention de la junte est toujours active et le gouvernement tarde à prendre les choses en main. De telle mesure, à telle enseigne que, lorsque le président Diakounda Traoré émet un point de vue aujourd'hui, le lendemain, le général Sanogo en émet un autre. La CEDEAO a posé deux points principaux. Le premier, c'est de faire en sorte que l'armée retourne aux casernes. Deuxièmement, que le général Sanogo ne se présente plus comme le leader apparent du Mali et qu'il y ait une demande formelle pour une intervention militaire internationale faite par l'autorité légitime qui est le président de la République de transition, le président Sanogo et le président Diakounda Traoré. Cela a été fait. La constitution de la force pose un problème parce que certains Maliens disent que nous, on ne veut pas d'une force d'intervention. Il faut que le Conseil de sécurité, au nom du chapitre 7, donne autorisation à l'Union africaine d'organiser une armée d'intervention. Et l'armée, une simple armée africaine, ne me semble pas, à ce jour, être en état de faire l'unanimité, parce qu'il y a l'Afrique du Sud qui est en bisbise avec le Nigeria, il y a le Tchad qui est pays du champ qui veut vraiment être aux avant-postes, il y a qui on ne donne pas tout l'espace qu'il faut. Il y a l'intervention nécessaire de l'Algérie et de la Mauritanie, fondamentale à toute réussite d'une intervention militaire, qui ne sont pas encore acquis. Et ça pose un énorme problème. Donc le Conseil de sécurité ne s'est pas encore réuni, parce que l'Assemblée générale poursuit son chemin encore jusqu'à demain, et peut-être dans le courant de la semaine à venir, il y aura une réunion du Conseil de sécurité sur cette question. Entre-temps, le secrétaire général des Nations Unies a décidé de désigner un envoyé spécial sur le Sahel, ce qui sera fait de la même manière d'ailleurs que le secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique. Nous pensons que le problème au Mali est un problème sérieux. Le Sénégal doit le prendre très sérieusement parce qu'il y va de notre sécurité personnelle. Et quelle est la réaction des principaux pays qui composent pour le moment le Conseil de sécurité, en particulier les États-Unis et la France, qui seront certainement incontournables pour toute intervention militaire, l'un pour des questions logistiques et l'autre peut-être même l'implication physique sur le terrain? Les États-Unis, la France sont des pays d'avant-garde au niveau du Conseil de sécurité, mais ce sont également des pays qui se sont impliqués dans la recherche de solutions depuis fort longtemps et qui d'ailleurs n'ont pas toujours compris les atermoiements et de la CEDEAO et de l'Union africaine. Je pense qu'une fois que le Conseil de sécurité aura statué sur la mise en place d'une force internationale d'intervention militaire au niveau du Mali, cela ne posera aucun problème, ni au niveau de ces deux États-là, ni au niveau des autres États qui sont dans le Conseil de sécurité ou qui sont dans le Conseil des Nations de manière générale. Je sais que nous pouvons compter sur les États-Unis, nous pouvons également compter sur la France pour donner au Mali son entièreté du territoire national et le mettre ce pays-là au travail. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous poursuivons avec la page de l'actualité sportive. En football, pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la dernière ligne droite pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le compte à rebours a commencé. Les Lions de la Teranga et les éléphants de la Côte d'Ivoire s'affronteront le 13 octobre prochain au stade Président Senghor à Dakar. Eladj Malik Ndiaye nous donne les détails des préparations et regroupements au micro de Dambabou. Oui, déjà, le compte à rebours a débuté donc pour ce match Côte d'Ivoire. Sénégal-Côte d'Ivoire comptant pour les éliminatoires de la CAN 2013. Retenez que c'est le 12e Gaïné qui a donné le coup d'envoi avec le slogan « Tous derrière les Lions ». Ils ont été reçus d'ailleurs par le ministère sportif d'Aladji Malick Gakou en présence de la Fédération sénégalaise de football au ministère des Sports au building administratif au premier étage. Et là, Aladji Malick Gakou a offert plus de 3 millions de francs CFA et 10 000 billets pour permettre aux supporters du Sénégal de pousser les Lions vers la victoire pour ce match ô combien important que le Sénégal doit livrer face à la Côte d'Ivoire. Donc, Aladji Malick Gakou qui appelle donc tous les Sénégalais à soutenir derrière l'équipe nationale puisque l'international doit primer sur les intérêts collectifs puisque ce match est important et l'État a mis les Lions du Sénégal dans des conditions optimales de performance. Mais Augustin sera également présent à la cérémonie. Le président de la Fédération sénégalaise de football abonde dans le même sens que le ministre des Sports. Selon lui, tous les Sénégalais doivent soutenir derrière les Lions du Sénégal qui doivent livrer un match important contre la Côte d'Ivoire le 13 octobre prochain ici au stade du président Senghor.
C'est dans ces conditions donc que les Lions préparent de, vont démarrer le regroupement ce dimanche. Donc ce sera à partir de ce dimanche à l'hôtel Le Pierre-Roubaix et le premier galop d'entraînement est prévu lundi à 17h au stade du président Senghor. Un galop ouvert au public. Retenez que tous les joueurs qui ont joué samedi sont attendus dimanche, puisque Joseph Coutant, en conférence de presse, avait déclaré qu'il compte avoir tout son effectif pour mieux aborder ce match capital que le Sénégal doit livrer contre la Côte d'Ivoire. Donc le premier galop d'entraînement est ouvert au public. Ce sera le lundi à partir de 17h. Deux autres galops sont prévus mardi le matin à Dakar Sacré-Cœur, mais également un autre le soir, toujours au stade du président Senghor. Les Ivoiriens, quant à eux, sont attendus à Dakar jeudi. Ils vont s'entraîner le vendredi à 18h30 à l'heure du coup d'envoi, comme le stipule les règlements de la CAF et de la FIFA, à 18h30 au stade du président Senghor. Et le coup d'envoi du match sera donné à 18h30 par un arbitre tunisien. Même si les Lions sont donc dans de bonnes conditions pour préparer le match, leurs adversaires sont bien armés par leur président qui a débloqué 500 millions de francs CFA, non? 500 millions de francs CFA, donc c'est le budget débloqué par Alassane Draman Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, pour mettre les Lions, les éléphants de la Côte d'Ivoire dans des conditions optimales de performance. Puisque, Adam Babou, vous savez que ce pays, la Côte d'Ivoire, traverse une crise sociopolitique depuis quelques années et une victoire de la Côte d'Ivoire, une finale de qualification serait très importante, ne serait-ce que pour la stabilité de ce pays, raison pour laquelle les autorités ivoiriennes n'ont pas lésiné sur les moyens. Elles ont débloqué 500 millions de francs CFA, les primes, les remboursements de transfert également. Tout ce qui est relatif au marché de budget estimé à 500 millions de francs CFA a été débloqué à part le président de la Côte d'Ivoire qui a pris très au sérieux ce marché capital que les éléphants doivent livrer contre les Lions du Sénégal. Mais malgré tout, les éléphants vont faire sans Salomon Kalou. Salomon Kalou qui a donc pour ce marché pour raison de blessure, et l'incertitude également qui plane sur le cher Fekete. À part ça, Samou Lamouchi peut compter sur ses cadres comme Didier Drogba, Zakora, Gervinho, Gradel, entre autres, donc, qui ont été convoqués par Sabri Lamouchi, à 23 jours donc convoqués par Sabri Lamouchi, pour ce match du 13 octobre, un match qualifié par la FIFA de match à risque, puisque Jérôme Walt, même le secrétaire général de la FIFA, est attendu à Dakar dans les prochains jours, c'est pour voir les conditions dans lesquelles va se dérouler cette rencontre capitale. Parlons toujours de football, mais d'autres catégories, les juniors qui préparent la CAN contre le Bénin. Le match est prévu demain à 16h au stade du président Senghor. Un match très capital puisqu'en cas de victoire, les Lions du Sénégal seront qualifiés, mais ils doivent gagner par 2-0 puisqu'à la ligne, ils avaient perdu par 3-1 face à l'équipe béninoise, les Lions. Donc il y aura un phase au niveau du dispositif puisque le Sénégal va aligner une équipe très offensive pour marquer 2-0. Une victoire de 2-0 serait donc sur le nombre de qualifiés. Pour le Sénégal, il sera donc vraiment dans l'histoire du football sénégalais, puisque les Lions ne sont jamais dans le ticket pour une Coupe d'Afrique des Nations de football dans la première catégorie. Qui rappelle que l'Algérie va abriter la propulsion en 2013. Parlons maintenant de basketball avec les filles de moins de 18 ans qui ont décroché donc le championnat d'Afrique et félicité par le président. En même temps qu'il félicite le président Macky Sall, je veux dire, en même temps qu'il félicite aussi les Lions de handball. Le Sénégal, donc, qui a gagné difficilement face au Mali, c'était donc samedi dernier, 55-50 pour le Sénégal. Les Maliennes qui avaient remporté le premier carton étaient donc dominées durant les deux derniers autres cartons par les Sénégalais qui ont été très bien coachés par Birou Gueye et le député national Adesano. Donc, au finish, c'est le Sénégal qui gagne ce match. 55-50, les Sénégalais et les Maliennes vont représenter l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde de cette catégorie, donc qui aura lieu en 2013. Une victoire également de la victoire qui a été saluée par Macky Sall, qui a adressé une lettre de félicitations aux Lions du basket qui ont validé leur ticket pour qui ont remporté cette Coupe d'Afrique des Nations de football de basket, mais également les Lions du handball et les Lions du handball qui ont remporté le Salon Trophy au tournoi de la zone 2 qui a pris fin la semaine dernière. Finissons avec la lutte traditionnelle avec frappe. Guy Bourdeau a donc appelé à une rencontre pour parler de la crise au sein de l'écurie FAS. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? En tout cas, il a minimisé cette crise qui couvre l'écurie FAS depuis très longtemps. Vous savez, l'écurie traverse des crises depuis belle lurette avec les défaites successives, notamment à celle de Guy Bourdeau, mais d'autres temps de la lutte de l'écurie comme Ban Le Duf, entre autres. Guy Bourdeau donc a fait une conférence de presse pour apporter la réplique de Moustapha Gueye qui a fait une sortie dans le quotidien sur l'âme pour dire que c'est fini entre lui et Guy Bourdeau. S'il ne veut plus de moi, je ne veux plus de lui également. Je le cite, c'est un vague qui a déclaré. Et pourtant, c'est le directeur technique de l'écurie FAS
Guiboudo donc a organisé cette république face à la presse, a déclaré que personne ne peut déstabiliser. Il reste à la disposition de lui qu'il fasse et minimise le plus. Selon lui, tout va rentrer dans l'ordre des niveaux de la saison prochaine. En tout cas, les dirigeants que nous avons chez, que ce soit Abbas Doye ou Malibé, ont minimisé le plus. Selon eux, il n'y a pas de crise au sein de l'équipe, mais c'est tout à fait contre puisque l'équipe traverse des difficultés avec des séries de défaites en appui finir dans Bambou. Raj Malik Ndiaye, merci. Voilà, chers auditeurs, c'est déjà la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Dame Babou prendra le micro pour le journal en Wolof. C'était African Time sur WPAT 930 AM. Bokki ñu ngi leen di nuyu te leen gërëm ci déglu bi ngeen def seen émission fii ci African Time ci WPAT 930 AM. Yéen a ngi ñu déglu ci yolele.com ak ci WPAT 930 AM.com. Seen mbokk Dame Babou moo ne ci micro bi, moo nekk itam ci machine. Niñ ko baaxoo def ajjuma ju nekk, lan koy defee ci ajjuma tey ji yem ak juróomi fan ci weeru octobre 2012. Dañ leen dindil xabaar yee bu nu noppee indil leen yëgle yi balaa nu tàggoo ak yéen. Barack Obama lan moko dalon dafa xeyon sibru wala dafa sonnon wala dafa sawaratul ci mbiri débat bi mu def ak Mitt Romney ñepp ngi nan Obama mañu seenu won kenn gisuko légui nak débat bi jallna lan mo ci top lan lañu yaakar ne mom lay jur ndax da koy daanel wala dana mëna jot wat bopam lool yépp daanu ci delu ci yeen wax leen ninu ko gisé daanu delu ci ak Pape Ndaw itam ci mbir yi nga xamne mo xew Sénégal mo xam école boy ubi ak jafé jafé yamu andi ci wajur ye ak li nga xamne itam mom moy essence bu yok ba ak lan la ci gouvernement bi wax lu nek dinañ ci delu ci Pape Ndaw dinañ wax ni itam ne Khalif General des Mourides Serigne Sidi Mokhtar Mbacké ñew na Dakarou ñu bari dinañu dem séti ko waye lañu yaakar ne moko fa indi mbiru aj makka gi bok na ci ndax ku ci yagga taxaw la lool yep daanu ci ñew ak Pape Ndaw daanu ñew ak Pape Ndaw itam ci mbiru politique bi Malick Noël Seck dakk nañ ko ci politique ci parti politique am muy parti socialiste Souleymane Ndene Niaye amna ñu ne nañu ko dakk mu ne mënu leen ci dara général ñam mi leen xam bu baax nekkon seen biir ñoom politiciens yi te mujj nekk ministre ba bàyyi woon bind na livre nee na ñoom ñi leen wër bari na ci ñoo xam ne tekkiwuñu dara borom hôtel ba ca sal itam Lamantin ñu yaakaar ne hôtel ba la doon jaay nit ñi di fa dëkkee ndekete yo am na lu nekkoon ca gannaaw Cheikh Yirim Seck dafa mel ne am na lu ko naqari bañ ko jéngee indi ko ca tribunal ba ngir beneen layoo bu bokkul ak ba taxoon ñu tëj ko loolu yëpp Pape Ndaw dinañu ko leeral daanu delu si itam ak kii di Alhaji Malick Ndiaye ci mbiru football bi li ñuy waajal footballu Sénégal ak bu Côte d'Ivoire te mu am solo lool mbokk yi kon loolu lañ leen fas yéenee indil ci li ëpp solo ci li ñu war a waxtaane. Waaw kon Pape Ndaw fiñ koy tàmbalee rek mooy lu jëm ci mbiru aj makka gi xam nañ ne bu ñu ne tabaski aj makka jub si na ñi ngi doon waaj ba fi mu nekk ni am nañu tàmbali di dem Pape Ndaw. Waaw daam ajug makka gi moom yàlla na yàlla yóbbu ci jàmm dellu si jàmm ñi nga xamee ne bi ñoom ñoo fas yéene aji makka ren ji mu nekk farata ci seen diine waaye nag dem bi moom xaw naa metti ndax nag xam nga ñu ngi ko doon waaj bu baax ñu ngi jàppoon sax ne avion bu njëkk bi ci talaata ji la waroon dem ñaari fan ci weeru octobre yi ñu nekk waaye dem bu njëkk bi tey jii la mujj am dem bi nag itamit taxu ko woon a yomb lool ndax waxtu wi nga xamee ne bi moom la ñu jàppoon ne ci la ñu war a dem dafa mujj tardé ndax xam nga ujaag yi ñu ngi leen wooyoon ci aéroport bi 10h ci suba ñu waroon dem nag ñeenti waxtu ci ngoon waaye daal mbir ma dafa mujj xaw a am tardé parce que am na si ñoo xam ne sax ñu ngi doon xultu di wax naan ndékkiwuñu seen kër añuñu ndax ñoom dañu jàppoon ne rek dañu ñëw rek dem waaye nag jafe-jafe daal amoon na ci ba jafe-jafe yoo xam ne ñenn ñi dañu daan wax naan xëy na Air Sénégal International ñoom ñoo joxul koppar yi nga xamee ne bi ñoom la ñu waroon jox waa Air Europa avion bi nga xamee ne bi moom la ñu luwee woon am na daal coow yu bari yuñ ci wax waaye daal li mën a am daal te wóor kon Dame Babou moo di dem bi mujj naa am ñu jàpp ne rek xëy na boo moytuwul avion yi ci des moom duñu am tardé bi nga xamee ne bi avion bu njëkk bi am na ko ni ma ko waxee woon ci ndorte li rek ñaanal leen ñu dem ak jàmm dellu si ak jàmm te yàlla nongul leen seen jàmm. Ah xam naa bu ñu demee ñoom it war nañ leen wax ñu ñaanal Sénégalais yi nekk ci ay jafe-jafe ndax courant bi ak yooyu waxuma ko waaye essence bi fi mu ne lañ doon yokkati nee nañu ba mu indee coow te lan lañ ci wax.
non dame fim nek ni wax deug yalla mom yoré auto wala lo xamni ni da fay soxlo essence ba gasoil ci ñu rew mom mi ngi bëgg nek nak li tuk lo yi wax Touba war de manam Touba yi legget ndax nak boy xol tay ji essence bi mi ngi jar 889 francs litre bu nek manam témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent ak ñenti fissine gasoil bi mom bi jar 792 francs manam témèr ak djom fuk ak li nga xamné bi modi ay djom ñetti deureum ak double nga gis nak né kon tay essence super bi dañu ci yok 42 francs manam djom ñetti deureum ak ñaari fistine yoy yok bo xamné ni ben yoon rek lañu ko yok mu démé nonu joggé nak 847 dal di dem 889 ci mala doon wax légui li nga xamné bi modi gasoil bi mom mi ngi joggé 760 dal di dem 792 nga gis né mom ñu ngi ci yok djom ben deureum yu tek double nga gis nak né lolu dafa metti lol ci ñi nga xamné bi ñom ñoy yoré auto wala yu ko melti boy xol répercussion bi modi say bo xamné bi dañ yok essence ba gasoil li nga xamné bi transport da fay dal di yokuté lolu nak dafa nek lo xamné ni da fay jéggi dayo ñu gis nak tamit né même gaz bi jamono yu ñu toll tek ko bëgg jafé na lol ba tax nak fim nek ni askan réew mi Sénégal ñom ñu ngi wax nak naan li nga xamné bi mom lañuy dund xamatuñu lan la mbir mi nak xamatuñu lan la leen di niru ñu ngi doon am yaakaar ci Macky Sall ñu ngi doon wax naan tin bu naré neex bu baxé xéñ waye mi nga xamné bi non la démé jamono ji dey melni ni jëmul kër ba tax nak ñitu réew mi ci bobu sax dal na jël kaddu ginnaw conseil des ministres mi nga xamné bi def nañu ko ci alhamis ji di wax nak né ndëggu li nga xamné bi modi hydrocarbures yi manam essence yi gasoil yi gi ni dem dafa nek lo xamné ni dañ koy def ajustement automatique manam ñenti ayuba fi ne manam wër bu nek dal dañuy xol ni nga xamné bi non lay doxate nak diko deppele ak ni nga xamné bi non lay doxé ci aduna bi wërnal cap ba taxna nak nguur gi japp na xeyna dal lo xamné ni mën nañu ko def ngir woyofal mbir mi modi wañi li nga xamné ni moy TVA bi nga xamné ni ci lañ ci tek ba taxna sax ñom japp nañu ne lolu nguur gi dina ñak lu toll ci milliard bu tek juroomi téméri million waye lolu dañuy japp ne buñu ko téggé ci ndëggu essence bi wala ndëggu hydrocarbures yi dana tax mu nek woyof go xamné ni da fay jëm ci poosu ñi nga xamné bi ñodi ñi jëfëndiko manam essence bi gasoil bi gaz butane bi nga xamné ni mom lañuy toggé ak lolu yépp dal japp nañu ne fim nek ni tay buñu ci téggé TVA bobu di 1 milliard 500 millions dana tax mu xawa gëna woyof tuuti waye nak daam melni ni askanu Sénégal ñom dañoo bëgg dal mbir yi gëna yewen gëna woyof parce que nak son nañ waaw son ba nopi nak mu dajé ak ouverture de classe yi wajur yi wara jëndi ay bagage ak yoyu dana metti lol te ñi itam séri dom di def BFM mom dal xana doyna war que classe bi mu ubé ni mom jafé jafé la dajel dana metti dam babu dana jafé parce que ubité classe yi ren di xam nga dafa xawa doy war parce que boy xol xam nga ren li yalla soti ndox ci rewum Sénégal dafa bari lol tax nak kër yu bari wala borom keur yu bari wala njabot yu bari loro ci li nga xamné bi mom moy ndox mi ba fiñuy wax ni amna keur yo xamné ni ndox mi daf ko nangu am ci nak njabot yo xamné dañu len abalon ay l'école ñu dal di dem dëkk fa en attendant ñu am pexé bi nga xamné bi nak école bi ngi ubbi ci ci lañ ni nak ay la yeen yeen tamit fiñu len abal seeni borom manam élève yi dañu ko soxlo kon il faut ngeen jog fi ba amna ño xamné ni sax dañu jëfëlante ak ñom ngir ñu dal di joggé fi nga xamné bi modi école yi ñu nekkon mais école yi tay ji jangale kat yi ñom ubbi ci ben fan ci wéru octobre yu ñu nek bañuy dem di ubbi ji amna ci ño xamné mënu ñoo jotté ci école yi ñu nek ndax ndox wala xous ak yu ñu démé ñu né dét né way ñi dem ci nak ci ñenti fan yi manam ñi ci jëm ci la élève yi doon ubbi dongo yi nak du wara ubbi tombe tamit ak li nga xamné bi mom lañu wara def muy examen bi di BFM di deuxième partie bi xam nga partie bu ñëkk bi defoon nañu ko bobu ak légui amna ñaari wër ñu né nak dañuy def ñaarelu patchu BFM bi pour ñi nga xamné jotu ñu won def BFM bu ñëkk ba wala yu ñu mel ba taxna nak tay ji lori indi galankor ci li nga xamné bi moy ubité bi ndax élèves yi nga xamné ni seen école dafa nek ay centre d'examen ñom mënu ñoo ubbi benen jafé jafé bo xamné ni nak dafa ñëw tamit tombé ci kaw lolu moy li nga xamné bi waju dongu yi say bu école ubbé dañoo wara jënd lu démé ni ci ay fourniture ak yoyu té lolu yi tamit ñëw di dolé ko ci jafé jafé yi nga xamné bi mom lañu doon am say bu né ba tax na ni am na ñoo xamné ni ñom dañu japp né li nga xamné ni modi librairie parterre yi fofu lañuy régler seeni problème parce que mom mo gëna yomb dem ci librairie yu bëss yi mais nak lo ci mëna dégg rek modi dam babu mbir yi metti na lool ci waxtu wowo nak le gouvernement bi wax né dañuy dal di dakkal li nga xamné bi moy recrutement professeur
vacataires, professeurs vacataires, yi nga xamné bi dañ leen daan jël ak mu jot dañu né ren ji lolu dootul am parce que li tax ñu wax ko nak jëwriñ di ñu denk mbirum jang mi di Ibrahima Sall dafa né dal il faut ñu auditer li nga xamé né bi mom modi professeur vacataire parce que dañ japp dal né mbir mi jaarul yoon té tamit dafa bari ño xamné ni dal xeyna ñu ngi bindu wala ñu leen di fayité affaire bi lérul wala lëndëm na jaxaso na jaxaso bo xamné bi dal néna mbirum corps émergent yi mom il faut ñu xolaat ko ba tax na nak japp ñu japp né ren bi mom lolu du am xana dañu japp né kay professeur vacataire yi nga xamné bi jotton nañu leena jël daaw wala at yi nga xamné bi ñom ñoo jitu ñoñu nak danañ leen dal di yobbu ci ay bëgg yo xamné danañ leen fa tagat ngir seen xam xam gëna ñom bu ko défé li nga xamné bi mom lañuy jàngalé gëna lèr jëm ci mbiri dongo yi dam baaw waaw professeur vacataire ak corps émergent yi nga wax défé na né ñom ñoy ñi nga xamné jaaru ñu won fañ daan jaar bu jëk ba nek jàngalé kat ñu jël leen ngir li ñu manké won ay jàngalé kat ci lu lèr dam baaw wa kon bokki biñu djégué heure bi ba ñëwaat jéxal li nga xamné moko mom lañ ci défon ci heure bobu dañuy dal di déluwat rek ak Pape Ndaw li laaj li ñu ko doon laaj muy tontu waye bala bobu bay leen nu def publicité wala fi jëk yi jërëjëf Pape kon bay ñu publicité doora délu ci waat fepp fu nu mëna tukki mo xam ci biir réew mi la mo xam di tim réew rawati na nak budé afrique suñu gosse la kon wara dem moy caratour and travel billet buñuy jaay ak avion bo bëgga démé démal caratour and travel ñu jox la ko ci ndëg yo xamné mënu lor ko amé fenn xew wuñu am wuñu ñor dëgg fan wara dem moy caratour and travel buñu yékk ci mënu jox suñu billet ci ndëg yeenu gënal dal di ñuy wax avion ba ñuy dugg ak kañ lay dem ñu dal di dem ci lu gaawa gaaw caratour and travel mi ngi nekk ci 38 west 32nd street room 1501 téléphone 212-683-2223 nañ dem ba teuri feus brodie fek fa jibi njaay kor soxna li ngir nga nañ dem ba teuri feus capitaine jibi njaay bu sahel international mo len di wax na dem len fek ko sahel international mu taxaw len namu len dan taxawo ci toilu Tony Ford Broadway corner teuri first street bu delu jëm ci human air supreme ultimate place sensational premium now premium 2 galaxy naomi naomi yaki naomi ondulé mesh curly perigu human air ay synthetic ak ay postis bu delu jëm ci téléphone yi bu ngeen démé fekk fa motorola sony ericsson ak accessoires yi ngeen soxla yépp bu delu jëm ci cosmétique yi imania fashion fair mac ben du fa jeex sahel international bu capitaine jibi ndjay mi ngi nek ci toilu Tony Ford Broadway ci corner of 31st street téléphone 212-564-2545 wala ci 718-924-6420 open 7 days a week wa pap ñi ngi doon wax mbiru essence bi ak jafé jafé yu mu andi ci ouverture de classe yi ak yoyu waye dafa am lo xamné itam fimné dafa melné bëjjo daf ci am jappal ak bayyi moy gouvernement bi daf né li nga xamné dañ doon importer ay ganar diko jëndi bitim rew di indi dañ ko nara yaatalat ni koy ni defar ganar yi ne bum ci dal waaw xam nga lolu gaay yi dañ ko wax dañu ne dal mbirum ganar yi mom il faut que ñu setti benen pexé ndax dañu ne nak dañu bëgg dem sax fu démé ni ci seen rew mom nga xamni ni mom la mom ngeen nek nonu ñoñu war nañu mëna jëflenté ak ñom ci walum ganar yo xamni da fay joggé fofu di ñëw fi ba taxna fan yi lañu genn sax amna ñu bari ño xamni ni dañu joggé won fofu ñëw fet fi ay yerkatu ganar ak ño xamni ni dañuy yëngëti ci mbir yoyu fofu ci seen rew ma pour xol nan lañuy def ba wara mëna indi li nga xamni bi moy ganar yi fi ci suñu rew mais nak loolu bi nga xamni commencé nañ ko wax mu jëm ko association bi nga xamné bi ñom ñoy ñi yëngatu ci walum yar ganas fi ci suñu rew ñom dañu dal di gisé nak né lolu dañu koy wara tek ci souf parce que dafa nek lo xamné ni buñu ko doxalé jafé jafé lay doon ñeël ñom ñi nga xamné bi ñom ñoy yëngatu ci mbir yoy parce que ñom dañu japp ni fiñu toll ni tay mbirum ganar yi dañu ci am at mu jot lu toll ci ñeen fukki milliards yu tek ñet ci suñu xaaliss yo xamné ni manam chiffre d'affaires la bo xamné ni day yëngatu ci mbir mom té it ñi gis né lu toll ci fanwer djuni doomu adama ñu ngi ci liggéey té lolu bo moy tour buñu ko doxalé mu gëna jëm kanam sax mën nañu dem ba lu toll ci témer djuni doomu adama di liggéey ci mbir mom ñu né nak tay ji kon buñu bëggé ubi
filière bobu ganar bi joge ci bitim rew ñukoy indi fi diko fi jaay fi non seulement da fay yakal ñi nga xamné bi ñom ñoy yëngatu ci mbirum yar ganar fi waye ñi nga xamné bi dañ ci daan seen dolé lolu mën na leena yakal ba tax ñak seen place waye tamit dañu né ganar yi nga xamné bi day joge bitim rew li ñew bo moytuul mën na indi ay jangoro yo xamné mën na lor askanu Sénégal yi nga xamné bi ñoy jëfëndiko ganar yoy ba taxna dal dambaabu fimu nek ni mbirum ganar yoy mom ñi nga xamné bi ñoy yëngatu ci yar bi fi ci suñu rew mom bëggu ñoo dégg tay bëggu ñoo dégg ëlëk ñu wax né dañu ubbi frontière yi pour ay ganar yu dugg ci fi wa pa xamna du ñak sax nu mëna nu delu ci mbiru politique nak té bi yoon ci lu yaato yaato waye ba la ñu yegg ci lool ñaar la la bëggoon waxtaan ci Khalif General des Mourides dañu wax né dafa ñëw Dakar ci weekend bi waaw khalif general koul mourid bi serigne sidi martar mbake ñew na dakaru ci weekend bi te tamit li nga xamne bi moko fi indi dañu ne mom khalif general koul mourid dafa nek ko xamne ni dafa yag duggal loxom ci li nga xamne bi modi ajuk makka gi di jël ay doomu adama yo xamne daf leen di passal mo xam ay talibé lañ wala sax duñu ay talibé ay julit dal yo xamne da leen di passal wajal leen jox leen lepp li nga xamne bi mo ci wax pour ñu mëna dem makka deng ma dal di defi lolu nga xamne ni ponk la ci diine l'islam ba tax nak ñu ne lolu la ñew ñewon don set ci Dakar wala bok na ci li nga xamne bi moko indi ginaaw tamit set ñi nga xamne bi moy talibé té it am na ño xamne ni japp na ñu ne ñew bi mu ñew Dakar xamna ne am na ñeneen ño xamne ni surtout ñi nga xamne bi dañuy yëngatu ci landu politique bi ño xamne ni dañu ñew set ci ko ndax nak bari wul lo xamne li serigne bi mën na ñew Dakar té gaay yi duñu jëme rank ci buntam waye ak it ku ci nek nak la la taxa jog wala la ngay dox waye nak comme mom mo jaboté ñepp tamit mi ngi nonu dal dambaam wa pa bala ñuy dugg ci politique bi dina Casamance mom braquage yi batay yakaron nañ na dana wañi koti waye fi mu ne bu nawet bi jup ci mu commencé bari lol wala ci bir nawet bi digënte julul ak fi nga xamné moy signature mom day am problème toujours waaw da fay am toujours problème dambabu li nga xamné bi modi walu braquage yi ni nga ko waxé té say bo xamné bi dem nañu ba yakar né rek mbir mi lég mu dal mu daldi gëna metti wat gis nga nonu nga xamene bi nonu nga ko xey ci la amé ay say say ak samba boy yo xamné yi ñom dañu daldi jog dogaleti jaamuru yalla yi ni nga xamene bi non lañu koy defé sa su ne ba tax na nak li nga xamene bi moy ci ak su jululu bi fa lañu wax ne rek fa la say say ci daldi dem daldi dal ci ni nga xamene bi moy ay nit ño xamné ni dañu doon dem di doxi seen soxla lolu mi ngi am nak nit ci dem ci alhamisi ci bor 10h ci suba ci yone wi nga xamné bi mo dox digënté Badiana ak Diñaki nek nak ci ak Biñona jululu bi manam yoonu Biñona ak jululu nenañu nak ay ño xamné ni dal ay say say yoré ay ngannaay ñu japp ne xeyna ci MFDC lañu bok manam mouvement des forces démocratiques de la Casamance ñom ñoo arrêté ay auto ni ma la ko doon waxé légui dal di addu kalpé nit ñi nga xamné bi ño nekkon ci auto bi nga xamné bi nak ñu ngi dem yobalé nañu ben 4x4 ak xaaliss ak tamit ay portable ak yenen ni alal yo xamné dal ci nit ñi lañu ko nongo ne meng ak mom Adam Bab wa pa ma dem ci ñewagon way nat nan kep ku yakarne experience amna lu ko meuna wootu bobu da nga demagul Africa Travel Management bo demé Africa Travel Management ba fekk fa Cheikh Diwan ci la ak experience mu andal da nga xamné agence bobu rek mo lay wax ne la avion bo bëgg démé ak fu mu meuna jëm muy South Africa Delta Royal Air Maroc ngeegë gëna yomb ñoo la koy wax jox la avion bi ngay démé Africa Travel Management mi ngi nekk fi ci New York 515 Madison Avenue ci 9th floor ba ci corner 53rd Street boudé ci Sénégal ma nga nekk ci West Far ci VDN bi immeuble numéro 147 ci premier étage ba ci Dakar yof bu la nexé man nga woté fi ci New York 212-481-3850 wala ci Dakar 221-33-820-6042 wala sax li gëna yomb man nga dugg ci sen website www.myafricatravelonline.com Sin como solo sabes
fan yépp fo démé ci kërru africain bu ñuy sétan télé da ngay dégg ñuy kaas rek naan man bouqué bi ma jëndoon amul seen sangam bi rek la ci mëna sétan wala mi ngi dëndoon dox demb té tay doxatul loolu yépp man na fay joggé ndax té amna bu bëss bo xamné bu ngeen ko amé chaîne télévision africaine yépp ngeen di am bobu moy bouqué africain ASTV bouqué africain ASTV boko jëndé nima la ko waxé chaîne ya ben manké wul rawati nak yeen yi nga xamné da ngeen doon laccé Lampfal TV so amé bouquet africain ASTV sa yoko soxla fekk ko fa ak yenen chaîne yu bari bari amul dem ñu nan tay doxna wala chaîne sangam tay dañ ko crypté delu ci len dana delu ci war woté len ci bouquet africain ASTV ñu andil len ko numéro téléphone 646 351 3107 wala 646 924 63 93 Lampfal TV ak yenen yamu andal yep ci Afrique chaîne bu ngeen ci soxla da ngeen di woté ci 646 351-3107 wala 646-924-6393 bouquet African ASTV moy chaîne africaine yépp rawatina nak Lampfal TV bu ngeen di top toté lu jëm ci seen mbiru computer wala seen TV bu len kenn wax né mënu ñu ko def niko compagnie yu magi di défé niko compagnie yu magi di défé ñeug yëmu len di jaay ak namu len di défaralé seen computer lool la len Omar Diop Interpat Computer wax né bu ngeen démé Interpat Computer mom ngeen fay fekk bu fekké né da ngeen am seen ordinateur bu yaq ngeen bëgg ku len ko défaral ndey gaaw lool ta la ca war lepp lañu def bu fekké da ngeen bëgg jënd ordinateur mo xam di ngeen di jënd di jaay waat wala ngeen di jëndal seen bop bu fekké né da ngeen am seen télévision bu yaqku wala ngeen bëgg jënd bo télévision bo xamné dañ ko use ba paré bu ngeen démé Interpat Computer da ngeen ko fa fekk bu ngeen amé seen business bëgguñu défar leen ay security camera yo xamné day woor ko dem leen Interpat Computer bu féké né da nga am sa business system bëgg ku ko défal setup demal ci Omar Diop bu Interpat Computer mu défal la network bi défal la téléphone bi point of sale bi sax machine yi nga xamné ci lañuy duggal xaaliss baak di génné bo démé mo la koy défal bu féké da nga bëgg website mo la koy designal ostal lako té nak Omar Diop bu Interpat Computer néna fi mu nekk ni dafa am ay laptop yu yomb ben spécial bo xamné $179 lay démarré Interpat Computer mi ngi nak ci 15 West 116th Street ci digënté 5th ak Lennox Avenue moy bi ngeen xamone mu nekkon ci 4 East 116th Street ci digënté Madison ak 5th Avenue bobu mo taxu ci légui ci digënté 5th ak Lennox Avenue man ngeen contacté Interpat Computer lool yépp bu ngeen ko soxla ci seen email 123pcmac@gmail.com 123pcmac@gmail.com wala ngeen téléphoné 212-423-9750. Wa pap kon legi ci walu politique bi lañuy tambalé fiñ koy tambalé moy li defé nané Macky Sall war nako may nopp de wa Yana Mar tambali nañuy wax né ñi nga xamné ño doon manifester di contre président Wade ba mom Macky Sall mu jaaré ci ba falu gaay dañu dafa melni dañu fatte seen affaire te nenañ lolu duñ ci and waaw nenañu duñ ci and tay duñ ci and ëlëk tay tamit lolu dañu ko wax ba ca ko ñepp dégg ko parce que nak dañu ne ñom wa Yana Mar yi rawatina dajé bo xamné bi ñu ko doon def ci Colobane sa lañu waxé né dal ndaw yi nga xamné bi dañ leen tégg loxo bi nga xamné bi dañu ne Alkati Gone ak Alkati bobu ñu doon wax Fode Ndjay boom nañu ko ndaw yañu tégon loxo ne ñom ño defoon lolu ginnaw manifester yi nga xamné ni daf ca doon am dañu ne ndaw yoyu nañu leen bayyi té itamit ñu ngi ci yok ne ñom dañu mënta dégg ben yoon ñi nga xamné bi leer na ne seen loxo dugg na ci ay loxo rek ci pajangé yo xamné jamono ji ñuy kaas parce que lañu doon kaas modi Ablaye Wade li nga xamné bi modi candidature am waxu doon jaabité kaas ba nga xamné bi doon ko doon kaas c'est pour yok démocratie mu gëna jëm kanam fi ci sunu rew ñu la ño xamné ni nak dañ leen ci tudd jaxagan di jëwriñ jo xamné bi mo fi yoron mbirum bi rew Sénégal ak ben commissaire de police bo xamné ni mo nekkon Dakar naam tudd gi leen xeyda mais ñepp xamnañ ni Ousmane Ngom lañuy wax mo nekkon ministre de l'intérieur ak commissaire Aronasi bi nga xamné bi mo nekkon commissaire central bu Dakar nenañu mënu ñoo nangu ay ndaw yo xamné dañu leen tek loxo ci mbiru manifester surtout ñi nga xamné bi nak dañ doon kaas di wax naan candidature Wade valable waawul nek candidat ñu jël ci ay ndaw yo xamné ba légui ñu ngi ci kasso bi nenañu nak bayyi ño xamné ni ñom leer na né seen loxo dugg na ci mbiri muy Ousmane Ngom ak Arouna Sy ñuy doxante ci biir Dakar num leen nexé wala di dem assemblée nationale wala di dugg ci ay 4x4 di yaata yu bekk dem ak dik nenañu nak lolu warte mëna nek ba tax nak nenañu tay ñi nga xamné bi ño jité réew mi dafa melni dañu fuuy wala dañu dumoyu ndaw yoyu nga xamné ni
tay ji ginaaw yalla bu fekkene bi ñom dem nañ ba mëna jot ci réew mi amna lo xamné ni ndaw yi joué nañu ko ci ba tax nak nenañu dal war nañu mëna xol tamit nan lañuy def nak ba mëna tek mbiri ci yoon wa ila nak bo moytuul dana tang mbadu lu mel non aussi mo dal ki di Malick Noël Seck yaakar ne joon na ci rôle bu reuy ci bir parti socialiste ba mu doon dal ci tanor ba lay gay nañ dakh nañ ko de waaw Malick Noël Seck wa parti socialiste nenañu ko na jël ay bagagam wala ay takem niko alpolari di waxe dal di dem yonam parce que nak bureau politique bi ginnaw bi nga xamné bi dajé na ci alhamdu allahba ji ci lañu wax ne dal dakh nañu Malick Noël Seck ndax mom dafa wëlbatiku won di dal ci ko Ousmane Tanor Dieng waye wëlbatiku di dal ci ay kang yo xamné yi ci ay ko la ay kangam yu nek ci parti socialiste di len yek lu melni xamé wala dal di tek ci sen def ay cadre yo xamné yi dafa teggini wul ba tax nak lolu motax kon bi nga xamé ni bi dajé nañ ci bureau politique bi ñu dal di koy dakk lolu nak tax na itamit amna ay ndaw convergence socialiste yo xamné yi ñom dañu wax né and nañu carrément ci li nga xamné bi moy dakk biñu dakk Malick Noël Seck parce que dafa def lo xamné ni dafa jaadul manam dal ci gattal yare diku la woné té yare diku bobu waruñu ko mëna nongu bayyi muy law ci parti bi donte amna ño xamné ni nak tendance Pape Sow wala Yaya Diallo ñom ñu ngi doon jema ñom ño ñëkkon sakku sax ñu dakk li nga xamné bi mo renouvellement yi parce que amna yeneen ndaw yo xamné jëmon nañu def renouvellement bay wax sax naan dañuy tabat ki nga xamné bi moy Malick Noël Seck pour mu continuer at mbiri mais lolu mom bureau politique bi dal koy nongu dal nañu koy dakk tifa xan bokkati ci parti bi ba sax mom mi ngi wax naan xeyna légui combat bi dana ko jëma yobbu au niveau international wala yu ni mel mais lu mëna am dal moy dam li ñu mëna japp modi Malick Noël Seck mom bokkatul parti socialiste waaw dafa melne amna ño xamne itam loolu lañu yene mu dal Souleymane Ndene Ndiaye ndax ñu ne biñu may joxe président Ablaye Wade prix mu ne koku prix fuya fuya la rek naxarina len lool waaw loolu moy ancien yi nga xamne bi ñom ño nek ci UGTL UGTL di kurel gi nga xamne bi mo lekkale ndaw yi nek ci parti démocratique sénégalais ñom dañu ne ki di Souleymane Ndene Ndiaye nañu ko dakk ci parti bi carrément genné ko ci complet Souleymane Ndene Ndiaye nak mom ne len woor moy parti bi ken munu ko ci genné tay ken munu ko ci genné ëlëk mais li tax ndaw yi di wax nañ ko dakk ci parti bi dafa fekk ne ni ngi ko waxé légui xam nga Abdoulaye Wade dafa am ben prix buñu ko jox ci France ci fan yele ñu genn ñu diko wax prix Fora lool dal nenañu dañu woné rek né Abdoulaye Wade mom nit la ko xamné ni turam wala jëmum djéggina réewum Sénégal légui dañuy wax nan kay buñ koy tudd ci dundu Afrique yépp lañ koy tudd parce que panafricaniste la duñu mel Souleymane Ndene Ndiaye nak né prix bobu du lenn budul mbiri woya woya manam dal lu tekkiwul dara la nek na lo xamne ni waruñ fi won nek sax di wax ay waxam muy jëm ko manam ci ni ngi ko waxe ci gattal sax ci epi journaliste ni ngi koy waxe nenañ dal prix bi bidon la manam du pouce du lu kenn xam alors lool nak mo nakadi ndaw yoy nga xamne ni ñom ñoo nek ci UGTL ba tax ñu ne tay ji Souleymane Ndene Ndiaye nañu ko dakk ci parti bi nañu ko ci jëlé nu mu gëna gaawé waye ma nga koy wax légui Souleymane Ndene néna mom kenn mënu ko jëlé ci parti bi tay kenn mënu ko jëlé suba yok ci rek né prix Fora bobu sax boy xol bañ koy def ci France Ablaye Wade dafa yobale won ay nit ñoo xamne ni xeyna ay jégué ñaalem lañu do mu leen yobale nak nenañu mi ngi leen doon jox ku ci né bëss bu jot lu toll ci juroom ñaar fukki euro ak juroom manam buñ koy xayma dal dina jégué fukki junni ci suñu koppé CFA yi néna loolu daf leen ko joxone rek pour mu nekk seen mbiri repas manam xeyna ndéki agne ak rèr wala lu ñu mel mais frais d'hôtel yi mom bokku ci parce que néna buñ ci bolé frais yoyu xeyna sax ku né mënon nga dem ba am lu toll ci ñetti témèr ak juroom ñaar fukk juroomi euro buñu koy xayma warna mëna toll ci juroom fukki jooni ci suñuy koppar nenañ loolu lañu yéré won ci seen séjour bi gaay japp nak da xeyna Abdoulaye Wade buy wax naan président la bo xamné ni légui somance la né xeyna nenañu dal poste bi taxul mu woyof lool donte nak mënuñu ko tekkalé ak jamono yi nga xamné bi caisse noiram toll na ci juroom benn fukki milliards bobé nak mom ñi daan and ak mom bu len mbéjaan dañuy supp jalañ manam mbéj bi boko déggé dam niñu koy waxé fi rek modi mbéj boko déggé ñaaré moy ko xamné dañu ko joxé koppar deug mom lañuy tuddé mbéj waaw kon dafa melné limu len jox loli téwul soppi ko amna dé ndax té Farba Senghor gaay nenañ dafa ñëw réunion bureau politique tardé bëgg la ciadu ñu ko hey la daan la xewon xewina waaw Farba ci lu leer dam gaay dañu ko né nak la won wonina limuy tekki modi xam nga réunion bi ñu ngi ko woté won ci ñenti waxtu yu tek fanwéri minik manam ñenti waxtu genn wal ci ngon gi
sax ba dem nek ci all bi kenn xamul lu muy lijeenti kenn xamul lu muy dox ba ay bobu 7 heures ci ngone mu dal di ñew rek bëgg def na mu da def di laaj parole di laaj parole damay wax damay wax damay wax damay wax gaay ne ko hey dañu bëgg téy sa gemmi gis nga duñu woté réunion ay magi jëm responsable nek ci ci waxtu wañu ko woté ci soubou mam yassine ba légui ñu ñëw fi tok di wax li nga xamné bi mom lañuy lijeenti nga nek ci all bi taxawalu ba mu neex la nga ñëw fi naan da ngay profiter nit ñi ak da ngay jël parole kenn du la fi jox parole du tay du suba dañu bëgg nga né mut mba mot parce que nak la woon wonné na bi légui dañu koy tek ci yoon nga gis nak né kon sarba melna ni e jamono yi mom xawma dafa am lu ko top xawma dé ndax ci fan yele ñu gën tamit démon na ci all ba yëb bi reub bi ba mu doon reub bi jamm muju ko ci dal parce que fofé yi tamit ñi nga xamé né bi ñoy wa oé foré jot nañu ko fa tek loxo ba fëgg ko alamane bo xamné ni daf ko jota fay té néna mom wax dëgg yalla jotul def lenn budul rek fétal benn nat dong la jëma fétal lolé dal ko ci mais nak dafa melni gaay dañuy faté né la woon wonné na dam parce que xeyna bu doon demb ak bëkk demb jamono nga xamé né bi mom ministre la woon wala parti démocratique sénégalais mo nekkon ci nguur gi bo moytuul dara du ko ci fekk parce que gis nañu fi ay yoon gis fi gisat fi ño xamné ni daño def ñombé wu né weng mais dara fekkul enti mais nak dafa fekk né mbiri légui bul bi mom dafa tourner kon régler rek wa tourner bi sax mo waral xamna né gaay ñu né légui président Abdoulaye Wade mi nga xamné ku massa di ngat dara ci biir parti mu neel mot légi néna dal dañu wara may ku nek mu wax xalaatam ku bëgg taxawal kurel ci biir parti bi taxawal ko Ousmane Omar Sarr melne momit daf na dédét fi kay mout mba motta fi xewon dé tab dembu ta mo fi xew tay wa mout mba mot bobu mom lañuy continuer rek parce que deug la Abdoulaye Wade moy wax nan nañu ubbi parti bi yaatal ko wala bok yaatal xalaat yi wala yolamal boom gi nga xamné bi mom lañuy yéwé won gaay ba ku bëgg wala ñu bëgg mëna def groupe wax ni ñun mbir yi ni lañu ko gisé mbir yi ni la wara doxé manam dal indi ay courant ci biir mais loolu nak ki nga xamné bi mom lañu japp né tay ji mo yoré parti bi di Omar Sarr mom dafa né li nga xamné ni mo gëna jamp tay moy fexé ñu andek askan wi fexé no xamene bi dañu lekkelo ak ñi nga xamene bi ñoo di syndicat yi ak ñi nga xamene bi ñoom ñoy yëngatu ci mbirum ak jëlëf doomu adam wala ñi nga xamene bi woon ñoy yëngatu ci nan lañuy wañé jafé jafé doomu adam yi wala nan lañuy def ba li nga xamene bi nguur gi mi ngi koy doxal té dafa nekk lo xamne ni déppowul ak bëgg bëgg nit ñi déppowul ak yeneen nit ñi ñu xol nan lañu koy def ba wara mëna dugg ci li nga xamene bi mom modi tayay nguur gi mi nga xamene bi non lañ koy waxé mais ñi jaar ni ñi jaar né ñé aw na lé lolu nekul li nga xamné bi mom moy arranger parti manam dal dafa bëgg wax né li wolofi nan wat gal ak yego mom lañu wara mëna def ñoom lepp manko doon wénnu say dal di mëna continuer nak doxal wayé dal ñi jaar né ñoom lolu mënu ñu ko dégg ba taxna nak ñu démé niki ay Mamadou Lamine Keita wala Modou Diagne Fada wala Medjo Bitey wala Abdoulaye Sow wala Sara Sall ñoom ñepp dal li nga xamné bi mom la Omar Sarr wax lolu ci lañu gis seen bop ba taxna mën nañu japp ne bo moytuul li nga xamné bi Abdoulaye Wade mom la wax wala mom la bëgg wala mom lay sakku dal bo moytuul xeyna gaay duñu ko doxal xam nga nak dafa melni rek kon la wona ngi bëgg won ni dam parce que Abdoulaye Wade ne ni la ñeneen ñew na neneen lañu gisé lolu daawu ngui koy némé ko Parti démocratique sénégalais kon dafa melni gaay dañ ko bëgg wax na rek ku tukki ñu añ sa gannaaw te itam dafa melni ki nga xamné moy général Nya ta mu nekkon ministre de l'intérieur ci bi président Abdoulaye Wade doora jël nguur gi mu bind ben téré né ñoyam rek ñi wër politiciens yi danaka nit ñu tekkiwul dara def ci bari non waxuma la ñu tekkiwul dara mais ay nafiq ki ay ño xamné ni taf yëngal lañuy démé wala ño xamné ni sen intérêt mo leen taxaju wala ño xamné ni mën nañ wax sax né ay sacc lañu wala ay njub lañ parce que xam nga mi ngi koy wax sax bay tudd ben baatu tubaab bo xamné ni sama mam la daan faral di dégg mu koy wax flubisqué néna loolu moy ñi nga xamé né bi ñom ño fess jël langue gi nga xamné bi moy langue politique livre bobu nga xamné ni général ñan mi ngi ko bind mi ngi ci feñal tamit ñetti mbir yo xamné yi dafa bok ci yi nga xamné ni melna ni néna moy li lor Sénégal wala li nga xamné bi mo indi jafé jafé Sénégal parce que bok na ci mi ngi ñew ci ben li di naufrage Batolo Diola manam souk gi nga xamné bi Batolo Diola soukhon nako néna lolu dafa nekkon lo xamné ni mënon nañ ci jàngé lu bari parce que dafa doon lo xamné ni dafa laalon ñu bari ci réewum Sénégal ba tax
ñu waron ko mëna dox mais ni nga xamné bi non lañ ko warona lijeenté doxalé wuñ ko nonu parce que dafa am ño xamné ni séni intérêt wala séni calcul ba ci sax ay soldat yo xamné ni yu tekki wul dara lañ ño xamné ni wol bañ ca warona jouer jeu wuñ ko ci wala lañ warona gaayé pour walu ñi doon lo ci gal gogou lañ ca warona def yépp defuñu ko ci parce que ay calcul ak djub lañ ak magouy ak yunu mel mom lañ ci duggal dem na bay delu ci tamit ci li nga xamné bi non lañ ko génné ci gouvernement bi mom général Dian jamono yoy tamit génné ci ki nga xamné bi modi Eva Marie Kolfek xam nga jamono yoy mom tamit mo né kon djewriñ bi ñu den kon mbirum santé mi ngi wax nan mom dem na ba lata ñu leen di génné nak nam président sax wona leen ba dalal leen ci bureau ba mu dem di wuyu ji mi ngi fekk ki nga xamné bi modi Eva Marie Kolfek mom tamit tok fofu mu nan ko ah wayo lo fi def mu ne ko man de dañ ma wo mu ne ko ah man tamit de dañ ma wo mais de mën na la wax jappal len boye bo nga tek fa sa baram bo moy tour max yow de nañu genn ci nguur ji parce que ñun duñu ay politiciens te général ñaan di wax nan bu ko président dalalé ci biir bureau ci lool le delo ci ma ngi lay gërëm di la sante def nga liggéey bu rafet waye nak fu muy mujj rek moy il faut nga genn parce que dal dugg na fi genn na fi wax ay kassa wa kassa mom général ñaan tax mu ne sax bobu ba mu fa joggé dal di dem séti ay xaritam yo xamné da fa demone ñu doon ni waxtaan bañu démé di waxtaan gaay di japp naan remaniement japp nañ né war na mëna am ñu bari naan ko yow xamna né buñu défé remaniement yi tamit da nga def ci gouvernement bi mu naan leen ah bobu fekk na xamna né mom da nga genn gouvernement bi waye buñu leen ko wona wax mu naan leen en tout cas dal lima leen mëna wax modi mbiri politique dal japp leen né dara woru ci lu né mën na ci am lu ngeen gis rek muy nonu jappé len ko nonu ci waxtu wo xamné bi bobo fekk na Idrissa Seck dal di présenter démission am xam nga ni ngi koy faral di défé rek premier ministre buy présenter démission am ñu dal di koy reconduire ak mu delu wat nonu néna nak mom ci la joggé bañuy wax naan genn na gouvernement ba gina mel dem séti ki nga xamné bi natangom la parce que nékkon na fi général jité won li nga xamné bi modi armée bi mom tamit Jean Alfred Diallo kërëm la dem fa doon waxtani fa la gaaya doon waxe yuni mel mu len di tondu rek on sait jamais di delu soit rek ci li nga xamné ni dal wax nako manam liñ ci mëna japp rek guddi gatt modi dam babu li woor modi tay ji boy xol ñi nga xamné bi ñom ñoo jégué ñi jité yëf yi ci walu réew mi néna dal lo ci mëna dégg modi bari na ci ay ño xamné ni tekki wuñu dara ak ño xamné ni dégg ma li leen taxa jog moy fenn ngir am lo xamné ni mën nañu ko yobbu wala lu leen mëna dounal wala poste bo xamné ni war nañ leen ko mëna jox té lool yépp ci ay katch dong lañ koy té wa kon pap ñu demat ta ñew ku nekk xam na né suñu wër mi ngi aju ci li ñuy lek bo bëggé di lek lu baax ci sa yaram ta neex pa dé da ngay dem Jacob restaurant Soul Food and Salad Bar Jacob restaurant képp ku fi joxé Soul Food fi ci New York mo la ci jitu Jacob restaurant li muy jaay bari na lool ta neex na ta baax na ci yaram firir Misui côtelette, genou nak, poulet braisé, salade crevette, salade langouste, macaroni ak cheese, fried chicken, cabbage, farine ak yuñu dagat, collard green ak yenen yu bare bare. Jacob restaurant, ñaari place la am, benn bi mi ngi nek 373 Lenox Avenue, ci angle 129e rue, ci Harlem. Téléphone 212-866-FOOD, 212-866-3663. Benen bi mi ngi nek ci 2695 8 Avenue, ci angle 143rd Street, Bataille ci Harlem. Téléphone 212-283-FOOD, 212-283-3663. Bo beugé di lek lu neex, te bax ci sa yaram, del dem Jacob restaurant, te fa la gëna yombé. Mohamed Bisiti White Car Repair bi nek ci 250 East 137th Street between 7 and Ryder, mo delu ci di len fatali ne bam len yagge taxawu seen auto fu mu pané, yag na lol te banex rek la ngeen ci am. Auto bu ngeen mëna am mo xam yu yagge la mo xam Toyota yu bessile bu meuna don lu ci meuna yakku dem len ci Mohamed bu City White Car Repair mu taxawul len ko retif dal len koy defal ci namu gëna baxé ci ñeeg yeey mu gëna bëgg mécanicien yi man ci dëkk bi ñom la fa dajalé mo xam doomi réew mi lañu mo xam ay doomi Afrique yu fi nekk la Mohamed bu City White Car Repair néna lu ngeen ko fa andil muy 24 heures sur 24 te du tej ben bis du tej ben waxtu lu ngeen am rek lu ngeen bëgg def lu ci en auto mo xam lu pan la mo xam oil change la mo xam frein yi defarat la dem len setti Mohamed bu City White Car Repair mi ngi nekk ci 250 East 137th Street ci digënté 3rd Avenue en Ryder téléphone 212-401-2959 212-401-2959
American Language Center mi nga xamne mo len di jangal anglais mo len di xamal ne ku nek ci rew bo beugé sa dëkk neex fa da nga wara wax lak wañu fay wax motax mu len bu ngeen beugé jang anglais ñew len set ci ko mi ngi ci locom yu bess ci 229 West 36th Street ci third floor bi ci digënté 78th Avenue jégué lol Penn Station fanwéri at ak juroom ngi ni ñuy jang anglais te jangalé kat yi gëna ay ci dëkk bi ñom lañu fa dajalé bu féké ne da ngay doora tambali wala nga bëgg bënal sam jang itam fofa nga wara dem te la ngay fay tutina lol mo gëna yomb la ci dëkk bi yeen ñi dëkk Queen ci itam dem leen ci Jackson Heights ci 75-01 Broadway bu ngeen démé fekk fa American Language Center bu ngeen ci bëggé xam lu gëna leer woté leen ci 1-800-English 1-800-364-5474 1-800-364-5474 bu ngeen woté laccé André. Pap defena yaangi don wax ne general ñaa day wax ne am naño xamne wax ngir sen poste bop rek mo len tax jog waye am nañuy def luko wessu wala bok ñu len di jinn def nañ luko wessu directeur hôtel bi ñu wax Lamantin mom de nenañ ndekete hôtel ba dong yobbu ko fon dafa am lu mu ca laxon ci mbiru drop waaw xam nga fim nek ni mom tay ji ngor soosu nga xamene bi moy directeur hôtel Lamantin bi Bertrand Touli tay ji tek nañ ko loxo dam babu ba ma nga ca kasop kess liko fa yobbu nak nenañu du lenn budul mom trafiquant de drogue la li nga xamene bi nak non la mbir yi demé moy dal meun nañu japp ne dafa am kuko jaay manam dafa am ci ñi nga xamene bi da fay liggéey ak ñom wala ñi nga xamene ni ay employeem la amna ci kenn ko xamene ni dal mo defu ndey ñi nga xamene bi modi wa douane parce que benn douanier mom mo dem séti ko ci bureau bamu ko fekke ci bureau ñew ne ko dal dafa bëgg fouyé parce que dafa japp ne bureau bi amna lo xamné ni daf fi nek té waru fe nek manam dal xéti drogue yo xamné mi ngi fi néna bimu waxé lolu ki li Bertrand Touli melni ko koy kokkali nan ko dal bureau ba nga xolal alors douanier bi di xol bi muy xol ba ubbi ben tiroir ci bureau bi fa la fekk nak ay boulette cocaïne bimu ko gissé niru nako drogue mais tamit léru ko won mu dal di koy jël yobbu ko ñu dal di koy analyser bañu ko analyser nak ci lañu gis né effectivement li mom cocaïne la mu warona mëna déllu ci wat ci guddigi woté na sax pour wax mais waji né ko ma nga fa mais mu jul déllu ci dafa xaar ba ci altiné ba mu dal di and ak yenen natango douaniem nak ñu dal di ñew yeggal ci seen liggéey yeggal ci liggéey bi moy tek loxo waji yobbu ko waye Bertrand Touli pour won la né rek lég lég xaliss mëna sank doomu adama mom jappon na né rek xeyna mbir mi du soré wala du dem fenn parce que djenna guerre ba djema guerre sax ki nga xamné bi moy procureur ba nek ci tribunal régional bu tiet néna ñu ay milliards la fa bëggona xëpp digi fa ay milliards ne serait ce que pour am li nga xamné bi modi liberté provisoire ak tamit né gaay comme ça ngeen gëna mëna continuer li nga xamné bi modi sen enquête néna ñu tamit am na ño xamné ni ñu am ndombo tank lañ ci réew mi wala ñu am baat ci réew mi ño xamné ni ñu ngi doon djem ak di def ay pexé yo xamné yi warna mëna mussel Bertrand Touli ci li nga xamné bi modi kasso waye nak ña nga xamné bi ño nek ci tribunalu kess yi melna ni ñom ay gaynde yu tax lañu duñu dégg japp ba taxna tay ji Bertrand Touli ma nga ca kasso kess ñi instruire dossier nak dem ci mbirum jaay carte drogue ta li nga xamné bi moy loi bi topto mbirum drogue fi dey amna ci ño xamné ni bu fekké ni bi yenn xéti drogue yi mom lañu japp ba gëmé tribunal nongu ne yow da nga doon def trafic yu ñu mel bo moy tuul fukki ati kasso mën na dal ci sa ko waaw waajo ci ties de xadim sambu donnama donnako togn de neena bo duggé ci birom bo wokto sax dem kasso ndax def na dag may jema guer comme nak gis nga li dal Bertrand Touli waaw legui ñangi wax batay mbiru ku dem ci kasso bi xam nga cheikh yirim sek dañu waxone tej nañ ko ñatti at ma ngay teud ñatti at ya way itam dafa fekkon kenen ko kalamé won ba lolu daatan ñew ne dafa yakkon deram ci Dakar Active muy site web internet bu mu nek bañ ko ndé muy dajé koku mer la fa ñewé momit waaw cheikh yirim sek mer la ñewé tribunal dam babu parce que nak nañu ko indi xeyna moko neexul parce que biñu koy indi tribunal dañu ko jeng manam ay mënot lañu dal di def ci loxo yi parce que bañu ko defé mënot ci loxo yi c'est parce que dal nenañu mom xeyna namu bëggoon na ñëwé dal ci kasso tribunal ba wala da doon jema defi problème mais lu mëna am dal modi ci talata ji dañu ko génné ci cellulam fañu ko tej diko yobbu ci tribunal pour atté diko atté bo xamné bi dafa am sen ndaw su tuddu Thioro Balbaki
mom mo wax ne cheikh yirim fekk daf ko tumal manam dal ci walu diffamation dafa yak deram parce que ñom dañu ne dañu bindol ci sen li nga xamene bi moy site bi ne Thiaw Balbaki momu lan lay def Maroc ñu le nak sen nañu ko fofé ci Maroc mu and dal ak ben wayju am doole kenn ko xamne ni alal deug la yoré ben homme d'affaires dal bu bari alal té tamit ñu ngi wax sax naan ki nga xamné bi mo leen défal dey mom néna mom Thiaw Balbaki yag na lool ak wajoju té lañu fa doon def dal deppowul ak lo xamné ni diiné wala ngor nongu nako loolu nak moy li nga xamné bi mom mo metti ndaw ci ba tax mu dal di kalaabi bi mu kalaamé nak Cheikh Yérim Seck bu fekkone né nekulone kasso jamono ji xeyna kërëm lay waxo pour dem tribunal mais nak comme jamono yi mi ngi kasso dañ ko fa dal di jëlé dal di koy yobbu buñu ko yobbo nak mom mu yex ci taxaw ci kanamu juge bi dal di commencer xultu di wax nak nan man li woor moy bugguma xaru bugguma daw dama xamul ana lan motax ñu war ma mëna jël dima jing dima tak ay monot dima indi fi té man li nga xamné bi mi ngi dal sama ko metti na tiss na de nga ma li nga xamné bi momo fi indi du lenn budul man dañu ma de tumal tek ma yo xamné defumako até ba até bo xamné bi jaarul yoon dal may tej dima indi problème ak yu ñu mel nañ nak fa la ko juge bi dal di dogé né ko hey xam nga lan la li tax ñu atté la wala li tax ñu tegg la ñun lolu taxu ñu fé tok li ñu fi taxa tok moy dafa am ndaw so xamné bi dafa né dang ko tumal tuma bobu nga xamné ni mom nga ko tumal mom lañuy lijeenti xam nga yaangi wax légui nan do ñew ci atté bi doto fi ñew nangam bu la nexé nga ñew tew bu la nexé nga baña ñew tew li woor moy dossier bi mi ngi ci suñu kanam ñun dana nako atté ba mu fété bo ba gaay waxé lolu la xeyna Cheikh Yérim Seck xawma ndax wax je da ko laal wala dal mom lamu waxone bamu ko genné ba paré la ci genn mais en tout cas duko juge tonto lolou dafa dal di togat né ciel lu meuna am rek moy dam atté bobu tamit nanu ko top ba xam fan lay mujj wa pap dama lima bëggone jéxalé ko moy Abdoulaye Mbaye père mom dafa melni dafa wax né dal ku bañ ma tudd Abdoulaye Wade ci saw xew bul ma jox sa micro ci lu leer ku bañ ma tudd Abdoulaye Wade ci sa xew bul ma jox sa micro waye Abdoulaye Mbaye père yemul ci lolou dam babu ndax dañu japp né wala bok ni japon ni xeyna mën na def li xewat Senegal muy transhumance manam ñi nga xamene bi bu sen parti daano ñu bako fa dal di jema dem fekki wa parti bi nga xamene bi ñom ño falu lolu bo moy tul ku koy sentu ci Abdoulaye Mbaye père do ko gis parce que nak neena mom mok Abdoulaye Wade sous cala mort ni nga xamene bi non la ko gaay waxe yemu ci lolu rek sax ñi ngi wax naan ñentelam bi manam ñentelu soxnam bi nga xamne ci seen rew momu la nek sax dañuy wax ne dafa am goné bi mo amé livre nak Abdoulaye Mbaye père dal di jël goné ga dal di koy tuddé Abdoulaye Wade ba tax na tay di xalé bi Abdoulaye Wade Mbaye le tudd ñu japp nak né kon nak bu mëné wulbeutiku ci fi nga xamé né bi Abdoulaye Wade yoratul nguur gi diko dal di tuddé lu mel ni doom té ku na xamné né tuddé nit doom ko la ré dëgg lay doon ñu japp né rek kon Abdoulaye Mbaye père mom digënté mak Abdoulaye Wade la lèr né jéxagul pap ndaw ma ngi lay gërëm di la sante jërëjëf dam baaw ma di len wax ne Touba Boutique nena ngeen gaaw daw ci len ndaxte kat dafa am spécial bo xamne lu yag dara lepp lo xamne fa nga doon jënde produit yépp nak lañu wax 50% ngay fay 50% off témèr bo daan fay bo démé juroom fukk ngay fay kon nak amna andi ciuraay ñanga fa parfum yi ba ci yi nga xamne ñom ñoy parfum wu taxaguni ak lait de toilette bu ngeen mëna soxla bu fekke dang ko bëgg jëndal sa bop wala ngay dem Sénégal wala ngay waja magali bëgg lu yobale sëri ci demal Touba Boutique half price everything must go half price for everything ngir yombalal len mbiri rek ñanga tok di len xaar fi ba 2h du matin 2 AM pour ngeen démé Touba Boutique da ngeen len fa fek mi ngi nek ci 235 West 116th ci digënté 7 ak 8 Avenue Daouda Sar nena daw si len wo len Daouda légui mu wax len produit ngeen bëgg mu tégal len ko bala ngeen di yegg ci half price lay doon 917 586 8359 917 586 8359 ku nek xamna ne sunu wër mi ngi aju ci li nuy lek bo bëgge di lek lu bax ci sa yaram ta neex ba dé da ngay dem Jacob restaurant Soul Food and Salad Bar Jacob restaurant képp ku fi joxe Soul Food fi ci New York mo la ci jitu Jacob restaurant li muy jaay bari na lol te neex na te bax na ci yaram firir mishwi cotlet genu nak poulet braisé salade crevette salade langous macaroni ak cheese fried chicken cabbage farine nak yu ñu dagat kala green ak yenen yu bare bare Jacob restaurant ñaari place la am benn bi mi ngi nek 373 Lenox Avenue ci angle 129e rue ci Harlem téléphone 212
866-FOOD 212-866-3663. Benen bi, mingi nekki ci 2695 8th Avenue, ci angle 143rd Street, batay ci Harlem, téléphone 212-283-FOOD 212-283-3663. Bo beugé di lek lu neex te bax ci sa yaram del dem Jacob restaurant te fa la gëna yombé ay bokk yi niñ leen ko waxon ci njaal ben gi dañuy delu ségen ci li nga xamné mo xew fi ci Amérique ci débat bi dig amone ci digënté Barack Obama ak Mitt Romney moy bi jëk ci ñom ñett lañu wara def légui nak liñ ci wara mëna japp bala ñuy dem fenn liñ mëna wax moy Mitt Romney mo bom Barack Obama moko jitu fop ci li nga xamné mom lañuy sétlu wax né non la mbir yi démé biñu waxé ba paré ndaxté ñëpp wax nañu né Barack Obama miñu gis nurool ak Barack Obama mi nga xamné mom lañu xamone dafa melni dafa bayyi Mitt Romney mu nuro ko xamné débat bi sax mom dako saful won du xol Mitt Romney ñi nga xamné ñoy sétane sax lim leen di xol du bari li nga xamné mom la Mitt Romney di dal ci kom itam diko wax ni nga doxale dara la delu ci wul danaka tontu ci day wax waxi bopam rek melne ku degul li nga xamne mom la Mitt Romney wax ñu bari nak nenañu dañu yaakarne ñi ko doon waajal mom ñi ko doon yeb dañ ko wax ne ko legui president nga mënulo waxe ni mu la nexé bu nit ñi di wax nanga teylu nanga waxe no xamne duñ la ne li president waru ko waxe te itam afam ñu wax ne mom dafa melni ciofelam ci Mitt Romney bari wul ñu ne ko xamnañ ne sa ciofel bari wul way fexel ba du feñ ci biir wax ji lolu am nañu ko wax waye ñi am set lu deug deug nenañu wessu na lolu ndaxte Mitt Romney toj toj yi mu doon def ba tax Barack Obama raw ko lol ci sondage ci polls yi lutax Barack Obama fateli ko ci ben bi mu wax naan 47% américain yi amuñu ben njariñ dañu ne yacc ay yafus lañu lutax Barack Obama fateli ko lolu li nga xamne mom lañ wax ci affaireu magat yi liñ leen wara faj lutax Barack Obama fateli ko lolu yep nenañ ken xam lutax Barack Obama def ko légi nak liñuy laaj kay moy ndax Mitt Romney limu bom Barack Obama ci débat bobu moy ndax dara tax ñu mëna wax ni Barack Obama ñak na wala Barack Obama mëna déllu ci waat liñu mëna wax moy débat bu jëk président mësuko gagner ñaar dong ñoko fa mësa gagner té ñom ñëpp ba élection yi jéxé dañu mujj perte bo ngeen sétlo ci di Jimmy Carter bi mu débat ak Ronald Reagan mom mo gagner débat bu jëk bi ci ñaar bi le Ronald Reagan delu ci wat régler mbir mi ki nga xamné tam moy Walter Mondale bi mu débat ak Ronald Reagan daf ko sonnal lol ci débat bu jëk bañ né Reagan mom yëf yi jeexna ba mu delu ci waté mu jaar ci kom jall mom Reagan ba di gagner élection yi ki nga xamné moy Bill Clinton ak George Bush ñom Bill Clinton mo gagner ñaar yëp mom mu ci gagner itam li nga xamné moy candidat bi waye Bush mu ndaw ba mu joté jëké débat ak Al Gore ñëpp dañu né Al Gore dafa jaar ci kom ki nga xamne moy John Kerry itam bi mu jëkke débat ak George Bush dañu né John Kerry dafa jaar ci kawam jall waye téwul ki nga xamne moy George Bush mo gagné yoy yépp kon man nañ japp né li tarikh wax mom perte débat bu jëk perte lowul président tay itam amna leneen luñu sétlu moy ci débat bi Barack Obama daf ko perte waye biñ ci joggé itam te ñi nga xamné ñoy am sétlu dañu wax né Mitt Romney liko Barack Obama bayyi won di wax taxna wax na yu bare yo xamné la ca gannaaw deug la kenn delu ci watu ci légui campagne Barack Obama ak journaliste yi ci lool lañu delu wat diko génné né waji waxon na fi li delu ci wax li waxon na fi nangam delu ci wax li wala chiffre yi mu joxé lool du deug ba tay ji buñu sétlo polls yi nga xamné ñom ñoo gën tay ci bëcëk ci Gallup poll nga xamné ñom bis bu nekk bu 1 heure joté lañ koy update nénañu ba tay Barack Obama limu rawé won Mitt Romney benn point daf ci yokku fi mu nekk ni ndaxte 50 la ko rawé ki am 44 demb 49 la won 44 kon nak ki nga xamné Mitt Romney dafa perte benn Barack Obama dafa yokulé té itam li nga xamné mom lañu sétlu ci yenen sondage yi ñu joxé gun ken gisagul benn bo xamné yakal na Barack Obama dara waye lolu peut-être téel na ndax biñu débat ak légui ñaari fan rek la nit ñi xañna réssalaguñ ko ci seen biir ba mëna déllu ci waat liñu mëna japp dal moy débat bi mom dana amaat ñaari yoon dana amaat itam ci digënté ñaari vice président yi candidat yi ki nga xamné moy Joe Biden ak ki nga xamné mom moy Paul Ryan donc ci loolu lañu nekk diko sét fi mu nekk ni ñuy laaj ba xam fan lañu nara mujjé ci loolu bu yexé buñ défé ñaari débat yi ba paré wayé batay
li nga xamne mom moy état yi ñuy wax ne yoy ñoy lamb ji deug deug muy fukki état yo xamne mom lañ wax swing state yi ci gëna mak fu melne Michigan fu melne Ohio fu melne Florida fu melne Pennsylvanie ba ci Virginia yoy yeb bo fa démé ba légui ki nga xamne moy Barack Obama batay mo fa raw ki di Mitt Romney lu bare bare waye nak buñ togué ñaari fan ñetti fan ci lañuy doro xam ndax débat bi wañi na ci lu bari wala yok na ci lu bari bañu mëna xam benen débat bu délusé nak li woor mom moy ñu bari yi mën nañ yaakarne bu fekké né Mitt Romney daf ko gagné ci débat bi gagné ko ci ñeneen ñaari débat yi di ñew mom danaka Barack Obama kën du waxati ay waxam waye lolu yeggugun ci bokki lolu muy liñ leen teunkel ci waxtaan wi nga xamné mom lañ leen andil ci lay xew ci Amérique ci politique bi ñu bayi leen ngeen déglu dess ci programme bi nim ko baxori def fu été bi ñëwé bax yaay kër Modou Wade defati nako andi leen ay arrivage yu bess tak ay mbaxana ay sidiade tapi yu ngeen di julé divu karité ak cadre yi nga xamné ay aya alcorane ño ci nek ak yenen bu ngeen fa démé da ngeen ko fa fekk ay krous ak djallaba da ngeen fa fekk ay marakis ak martoumé kamil alcorane da ngeen ko fa fekk ak doli khassay parfum bi nga xamné tangay be ko taxajuk ak andi ciuray bu ngeen démé bax yaay sor bu keur Modou Wade da ngeen ko fa fekk bu ngeen fa démé itam da ngeen fa fekk ay montre ay verre da ngeen fa fekk ay jigen ni ay bijoux rafet ak ay ensemble yo xamné bu ngeen di solo la bax yaay sor bu keur Modou Wade amna ay dvd amna ay cd ya ngeen fa dan fekk yep ñanga fa ak carte téléphone yo xamné woté bi day yomb lool tay itam bu ngeen amé sen téléphone ci Sénégal mo xam Orange la wala Tigo la wala benen bu mu mëna doon dinañu leen mëna fayal sen crédit fi sen wa kër di woté bu ngeen amé ay bill yu ngeen bëgg fay itam ci Sénégal bu ngeen démé bax yaay sor keur Modou Wade da ngeen ko fa fekk bax yaay sor keur Modou Wade mi ngi nekk ci 241 West 116th Street digënté 7th ak 8th Avenue téléphone 212-531-3722 yen ñep ñi dëkk Bronx ak liko wër yep déglu leen ma wax leen lu neex Jamtan African American Caribbean Market mo leen di xamal ne lepp lu ngeen soxlaati lu jëm ci seen cin bu leen ko teggi dem leen séti ko Jamtan mi ngi leen di xamal ne amna gejj yeet poisson yu frais couscous vermicelle diwtir tiakri toufa yoxas yap xar ak yap nak yep ak yap ganar yi sax bo beugé dañ la koy rayal ci sa kanam dal la koy sukkil jox la nga dem amna façon jumbo yu ngeen bëgg ba ci adjaay ak jonga ya nga xamné ño am ci Sénégal ak yenen yu bari amna acéké amna mburum français mo xamné da ngay tok ñu lakal lako genn ko mu tang jër ñu jox la amna noflay amna gerté xaran amna ciéré ak araw ak yenen yu dul jeex fruit yak légumier nak mom yu frais lay door yu bes tak lañ lay andil te nak lo fa yobbu ci carte wic wala yu footy stamp dañu ko jël bo beugé charger lu sa téléphone dañ lay ko défal ci Sénégal muy Tigo wala muy Orange bo beugé ñu fayal say bill ya nek ci Sénégal tay itam dañuy yonné xaaliss ci Choice Money Transfer ak BHS New York Jamtan African American Caribbean Market mi ngi nek ci 1479 Westchester Avenue ci angle Evergreen ci Bronx téléphone 718-450-8200 718-450-8200 bu ngeen wote lacc len Tidiane wala Alpha wa kon mbokki dañu daldi jallag yeen rek ci lu jëm ci mbiru tagat yaram li kin koy sekkal ci waxtaan wi moy Elhadj Malick Ndiaye xam nañu ne Sénégal fi mu nekk ni li ëpp solo ci liñ fay waxtaané moy match bi ñuy wajal digënté Côte d'Ivoire ak Sénégal match bobu équipe nationale du Sénégal ming koy wajal bu baakha bax Elhadj Malick Ndiaye ñu jëm sax ñom nak ñom joxe dal ku do ba du ñaxtu dembe la ñu tuddu deug wala tagga diram dalal bi Elhadj Malick gakk wax ne kat fu toll ni nek dug jot ne ñepp lañ taxaw ci ginnaw Sénégal xatta ndo doon do ko defé Sénégal am dam ñu def ñu toll ci rek manam ñepp ñu ñam jox ko supporter yi wa ta meen toll ci rek 10000 vieux rek ñu mëna ñew nak fexal sa bi sol ay jaction bu ko defé d'après Sénégal mu ko ñi jonté bi nga xamné nek football ak équipe bi nga xam mom mo nek Côte d'Ivoire ni japp ni nek kaddu ni mel ni ci président fédération nek Augustin Senghor wax bëgg bi kat réné réy bo xamné warñ ko bayé rek joori nek tour du gosse nak ko defé Sénégal mu am dam wala mu ko amé lon ginnaw nak bañ doon lancé li nga xamné mom moy seen bon slogan tous derrière la lion wa Elhadj Malick kon dimanche bi le gaynde yi di dajé tambali sen regroupement ni ko tambali sax ci hôtel de Terre bi nek nak ci terre bi gis ci Dakarou ñom nak ci lañu tambali regroupement bi ci ter jëppé lendi inshallah di 17h wonn am galobante ma wa fi ci stade le ko sa da fa wax digal bo xamné kat ci bi mën nañ ko sétan wa tamit mardi ñu def ci suba ci fi ci Dakar sa tek ngont ñu gën lu fa le ci stade le ko sa da fa wax
Côte d'Ivoire dañ ci ñu fi inshallah rek jëg nañu ñëw vendredi nek ñu tagga seen bokku fi nga xamone ak Cristal ñu ko sédar seen ñor dam xamay nak bu ko rek dañu waxe équipe bi nga xamé mo fekk fi mo moy mujj entraîner ci terrain bi nga xamné mom la jogante bi di amé di dox ci nak loolu lañu ñu japp gum ci li nga xamone mo nek ci walu jogante bobu non way defena bu fekké né Alhadji Malick Gakou ak fédération bi ñep ñi ngi wo sénégalais ñu jappalé len watara mom dafa tambalé duggal ci poste duggal ci loxom ci poste dé président Côte d'Ivoire donc que nous tout ça que mon âme 500 millions qui prennent sur cette femme dire que mettre ben mais Côte d'Ivoire ngir rek ñu gëna xaram bañu xalaat dara du rek dañu xam nga Côte d'Ivoire lu tax mu nek un cas particulier ndax bëgg dox ay tolof tolof ci walu politique ak jëng yëngu ak manam bu nekk ci guerre civile nekk ci jamm té mom japp ne bu fekké ne Côte d'Ivoire qualifié ci walu Coupe d'Afrique bobu ak dañu am ak Sénégal dal dina am ci bëkk bobu motax nak mom mu def kentuna kat ñam lepp lo xamné fédération bi soxna ak comité encadrement bi ni ñu joxéñ ko su ko défé rek ñam ñu mëna am jëwante bo xamné bu and ak dal ak tay lay doon fi ci Dakar ñu dafa ko fugu fal am ñet ci yeur ñi nga xam mo ñu nek waye nak wax na ñu ne Salomon Kalou mom du bok ci ñi ñew ci wa Côte d'Ivoire ay taw 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 ni dara mo motax nak bokku ni ci Sénégal nak xamu Salomon Kalou kéro bi gëna ci Abidjan le 8 septembre ñu gën mo mo égaliser won ak kéro nak bi dambe duggal mo égaliser nek jour bu am expérience am vécu jaar ci Chelsea jaar tamit te fi xamu mo nek ni nekkon nek rak tamit ci ki nek di Bonaventure Kalou nekkon jour max ci Paris Saint Germain donc lolu dina dara xel ci groupe Sénégal wala nek mom rek mo absenté cherche ci tamit cherche nek ni ko fi ñu waxon tamit participation worum waye tamit mom lool sax ko xamna ni encadrement médical bu Côte d'Ivoire ñoo koy lidenti leer ba leer mo dal ki di fabri la mochi bi ko ci Côte d'Ivoire mom kep ko xamna yaakar nga woni ko ñu dara xona la bu ñu ya touré ni drog ba ko le touré ko pa bari ak Maxi Gradel ak tamit bidé Zakora ñu ñep onal leen ci jonté bi nga xamna ñu amal ak Sénégal mu nek jonté bo xamna ci fa def ko def match a risque ndax te match yu toll non ñu ñoo ci dugg ci ndox ci walu karangé bi sax ay tak der xol ndax estat bi manam li ko ci yeuf mën nako taxna sax bu ki di jaron walu ni nga xamna top to walu karangé fofu ñu ñu tan ci général bu FIFA ñu ko xatt ndakar ci fami nga xamna ñu degg man ci waaw nañ set batay ci walu football ndaxte ñi nga xamne ñoy gaynde yu ndaw yi ñomit ña nga wara dajak benen suba suba lañu wara dajak benen ci stade le pour cela xaf ci ngor du seigneur de le don ñi jaf na ci match bu am solo ndaxte Sénégal da ko ñu won 3-1 ak ci Porto Novo ko nekk ci 15 jours ni mom nak won na dañu won ñaari bal tor ko ke bëgg na qualifier Sénégal nak am ñu rafo do tay ndaxte ki di ni ñu ñu jay nek ci centre formation bu mom nak ko ko bu mu ñi jaf na sax kay bi bu ndem ci jaw d'entraînement bi gis ko mu ki bo xamne kat bu na song lay doon bu xam ndax ko wara ko mën ci andi kat bu deux bi wala ci match bi ñu gëna ko yeen lañu bëgg sa wax ñu tam lu ñu gis mo ko ci fuñ ko doon liggéey tay ci gëna dant bi japp ni match bu am solo la kena ñaan na bu ko gëné dina qualifié mu nekk julet ci li nga xamne rek mom mo nekk nak kan ci ñoon ndax mo musu fa dem mu nekk lo xamne am solo la ba tax na sax match bu ñu ci le procédation waaye nak kenn di fay la entrée bi dañ ko def rek manam ku ñew rek dugg su ko defé ñu mëna japp la gënë ndaw yi waaw Alhadji Malick defena itam ñi nga xamne ñom ñoy gaynde yu ndaw yu jigeen ci walu basketball gatcha nga la ma ñom gatcha nga la wala ñu wax sax ci ñom ndax na ñom ñoo jël ci dafa ci sen catégorie ñu ko tagu nek gëna mali 55-50 ba sam bi fa le ci kat jëm mari ci lay di match go xamne kat ñepp amoon ci tag ndax nak mali carte bu ndik bi ñom deux carte bu ndik ñom ñoko mëne Sénégal li gënti ko bëggël ci nek jël match bu amé gagné ko 55-50 la ko gagné ci nga xam mo nek rek du match defé pratiquement 2030 le Sénégal tigué ni xam mo nek match bobu ñu ñu nek ci coaching bi nga xamné def nañ ko mu biiru gal coach bi ak tamit ci bu Adesano nak def défense zone manam ama am ku nek ni jël fenn rek bañ man yeen ñu noti lool tax na ndax bu ci bu président Macky Sall bi ñu lettre manam fargal leen rafet lu baax baax ñu def la ci mu nga yeen ci basket dér wa tamit parfait na ba ben ci équipe am bal bu goor ak bu jigeen nga xamné jël ak coupe bi ñu dañ tagon ci Afrique saw jant war dem nak ci benen jonté bu gëna kal wa batay Alhadji Malick nañ daane le mbiru béré béré do béré dor ndaxte Gri Bordeaux bu fas dafa wote won mbeur yi ngir waxtaan ak ñom waxtaan wow lan lañ mëna japp ne mom la ci wax ndax fas fimu nekk nañ ci tolof 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 kay bu ko da ndax buñu tante ay jël mom Gri Bordeaux sax 5 ans ni amul ben ndam la amul digënté ma ci xam mo nekk ki di bay mo ngi fi doon 1er janvier ba mu daanu la salo dafa tek la ci dafa bu ci muggu moy digënté modulo di mom rek ballu bi tamit daal na fi ñu bëré pour ñu daan ci kilifa Moustapha Gueye nak lool moko merlo ba mu def ben force ci quotidien bi di sunu lamb waxna kat mo fekkene Gri Bordeaux bëggatu mu tamit bëggatu ko ndax ko bañ mom bañ na la
Moy ñëw ak yeen ci ben yeglé bu ñu fi dikkel bala ñuy taggok yeen ci musique communiqué bi nga xamné mom lañ leen andil mi ngi joggé ci Aladji Ibou Thiam bi nga xamné mo jité United Gambian Association ñu bayi leen ak mom ah bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah señ dam ah ñu leen nuyu di leen siaré di leen balu haq di leen baal haq di yégal nit ñi rek né United Gambian Association ah man ak ñu ci suma gëna yépp dañu porté won ben ndaje bo xamné ñu ko wara def ci suba ci samedi bi ci jumaa pratique bi nga xamné ndox mi nga xamné dafa yaq boori afrique yépp gambie ci bopam tamit danaka def yi yépp yaq ko légui na dañ do dañ wara jang tamit ni ci suba ci 5 o'clock ñu fa joggé nañ teppel lu melni fundraising suñ members yépp ñu leen wa laacc ken ku nekk so ko mëne ngey ci walé 100 dala so ko mëne li nga mëne ngey ci wat do o ñepp ci ñaan dimbal ni yaqku yaqku ya bari na lool même nit ñi am nañu fa gañu dafa nekk rek ne kum ko ñun ñep ñoo am jamono yi yep ñu doon tafaro bu Sénégal bi lool mo taxon bu gëna xol ñaar yi ben yoon lool nak mo taxon ñu xaar be ba tafato ba le ba pare bu defé nak ni ci suba jamm inshallah Benedict Avenue lañu dajé ci jakk bi 22-2044 Benedict Avenue members yep dañ fa dajé ni ñi all ñep di ci ñaan dimbal di gërëm nit ñi di leen sant señ daam ñu la gërëm ñu la sant di la ñaanal yalla mu ñok la ñok sa maqama assalamu alaykum wa rahmatullah kat 100 ans d'esclavage diñu fatali kunta kinte buntu dem do delsi gore conquête coloniale pacho afrique samori touré bayanzin elage omar albouri ndjay boursin kumba ndofen njambat bo chawalo aliwun sitowe hablo poco tirailleurs sénégalais yi ah duñu len mo se faté Indépendance, 50 ans de colonisation. Lumumba, Kenyatta, Sékou Touré, Kourouma, Gamal Abdel Nasser, Amical Cabral. Duñu faté, Thomas Sankara, Che Guevara, Fidel Castro, Gaddafi, Blondin Diop, Nelson Mandela, Yasser Arafat, Saddam Hussein, Did Big Up, Dolly Big Up, Bankai. Résistant et khekkati salotobe yaware leptare raoul ziggy diggy boli modou mama kajana dj ala fakman nyagas bugs bunny fuken cook nyamumbam crazy cool queen base and the ship all right kergi bad blende kt b1x 5m underground hakim the gambian king Khadim Bay, Veronique KK, Tokosel, Ndarut Zende, Nigga Ahmed, Kruma Flow, Mo Lamin, DJ Lex, James Brown, Papa Life Fall, Yolas, Ojo Bay, Papa Njai Sise, Legu Nyu Gise, Wa Oyo, Wa Niru, Wa Forbe, Wa Kutal, Résistant, Moi Combattant, Résistant ni Bataillon, Résistant ni Souleyman, résistant ni Doudou Martar, souf sède sa kaou, gourde de Gjambar, Moussoulo Daou. Résistant ni Wacharoy 44, ni nek sen bir bamel di deg sou bat. Résistant di Firi, Dalin Kori, surmonte Galan Kori.